Bon, alors, je vais vous présenter une façon d'aborder l'économie et la monnaie très différente, sans doute, de ce que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de voir. À moins que vous ayez déjà un peu étudié la théorie relative de la monnaie, TRM, théorie relative de la monnaie. Qui parmi vous a un peu entendu parler de la théorie relative de la monnaie? Au moins un peu. C'est pas beaucoup. Ça va être violent. Donc alors pour ça, on va partir de haut et on va arriver sur des exemples très concrets. Hein, donc même si vous perdez pied à un moment donné, c'est pas grave. On va arriver à la fin sur des choses un peu plus concrètes et même jouables en quelque sorte. Praticables. Et nous allons démontrer le revenu de base. Nous n'allons pas le proposer. Hein. On ne va même pas demander l'avis à personne. On va pouvoir l'utiliser tout de suite. À quelques petits instants près. Donc on y va et on part loin. La sphère céleste. La sphère céleste. Avant les années 1400, et encore bien avant, les hommes observaient le ciel et ils avaient le sentiment que la Terre était entourée par une sphère céleste, une sorte de voûte céleste, hein, sur laquelle étaient incrustées les étoiles. Et puis ils observaient parmi ces mouvements d'astres célestes le mouvement du Soleil, l'astre le plus lumineux, et puis des petits points aussi qui bougeaient plus vite que les autres, avaient des mouvements un peu réguliers, les planètes. Et le reste des étoiles semblait un peu immobile. Alors ils ont dit qu'il y a des constellations, elles ont l'air bien figées, puis elles ne bougent pas par rapport aux autres. Alors que les planètes et le Soleil, puis la Lune aussi, c'est compliqué. Hein. Et donc il y avait une voûte. Alors tout ça, on essayait de bâtir un espèce de fonctionnement du monde. Il y a une voûte, alors les trucs se baladent dessus, comment? Et ils y arrivaient bien. Hein. Ils arrivaient bien à prévoir comment allait bouger le Soleil, les planètes et même les constellations dans tout ce grand mouvement de la voûte céleste. Ça marchait bien. Référentiel 1. Puis il y a un gars qui est arrivé, Galilée s'appelait le gars. Dialogue entre deux systèmes du monde. Mais il a dit, ben, si on tient compte des calculs qu'on a maintenant, les mesures de Copernic et compagnie, ouais, la voûte céleste, ça marche bien en fait, c'est pas si mal. Hein. Mais ça colle pas trop. En fait, le monde est beaucoup plus comme si, en fait, c'est pas la voûte céleste qui est autour de la Terre, avec des choses qui bougent dessus, c'est plutôt comme si le Soleil était au centre, et la Terre tournait autour du Soleil, et en plus, elle tourne autour d'elle-même, ça fait deux mouvements de rotation, c'est un peu compliqué. Apparemment, mais au final, tout s'explique beaucoup mieux. Et voilà pourquoi on voit la voûte céleste telle qu'elle apparaît dans le ciel. Mais voyez que ce n'est pas du tout le même référentiel. Lequel est le bon? Le 1 ou le 2? Qui pense que le 2, le référentiel 2, est le bon par rapport au 1? Levez la main. Qui pense que c'est le 1 qui est le bon par rapport au 2? Il n'y en a pas. Qui pense que c'est ni l'un ni l'autre? Ah, c'est pas mal, hein? Bonne salle. Qui pense que c'est aucun des trois? Moi, j'en sais rien. En science, il n'y a pas un bon référentiel et un mauvais. On se fixe un référentiel et par rapport à ce référentiel, on décrit les phénomènes. On peut passer d'un référentiel à l'autre. C'est ce qu'on appelle des lois de transformation. Je suis dans le train, je vois le quai bouger. Si je suis sur le quai, c'est le train qui bouge. Lequel bouge vraiment? Si je n'ai pas défini dans quel référentiel je me place, je ne peux rien dire. Si c'est par rapport au soleil, j'ai les deux qui bougent, le train et le quai. C'est pas fini. Référentiel 3. C'est pas du tout ça. Galilée, il n'est pas bon. Eh ouais, c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est la Voie lactée. Le truc vert, là, c'est le parcours du soleil autour de la Voie lactée. Qui sait en combien de temps le Soleil fait le tour de la Voie lactée? 240 millions d'années. Et il oscille en plus. Il passe par le plan de la galaxie, et il remonte au-dessus, il remonte. Alors vous voyez le mouvement de la Terre et du Soleil là-dedans? Dans ce référentiel-là, c'est pas du tout un truc simple. Hein.
Pas du tout. Alors un truc, hein, il semblerait, quoique c'est à vérifier, mais qu'en fait le temps entre deux sauts, là, ici, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. 23 400 ans, ou 25 000 ans, 26 000 ans. Intéressant, hein? Mais ça change toute l'interprétation. Vous croyez qu'il est bon celui-là encore? C'est pas fini. Hein. Il y a des multivers. L'univers est en expansion. Einstein 1915. C'est discutable, mais c'est pas fini. L'univers, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors non seulement on a les mouvements qu'on a aperçus là, mais en plus, si on regarde le mouvement des objets les uns par rapport aux autres dans l'univers, ils s'éloignent tous les uns par rapport aux autres. Pas depuis un centre. Hein. Ils s'éloignent tous en permanence les uns par rapport aux autres. C'est un peu comme à la sphère d'un ballon que vous gonflez. Si vous regardez, imaginez que l'univers ce soit la sphère d'un ballon, uniquement la surface, hein, pas l'intérieur. Quand vous gonflez le ballon, tous les points s'éloignent les uns des autres. Il n'y a pas de centre. Quelques points que je prenne par rapport aux autres, au fur et à mesure que je gonfle, ils s'éloignent les uns des autres. On dit que l'univers est en expansion. L'économie est en expansion. Bon, c'est pas fini à vous. Ça, c'est chaud. Hein. Parce que pour faire un truc pareil, on a besoin d'un invariant qu'on appelle en physique. Un invariant, c'est la vitesse de la lumière. Qui sait que la vitesse de la lumière ne change pas selon l'observateur? Si je vous dis ça, ça parle à qui? Levez la main. La vitesse de la lumière ne change pas par rapport à l'observateur. Que je bouge ou pas par rapport à la lumière, je mesure toujours la même vitesse. C'est très très surprenant. Et, ouais. Et grâce à ça, on peut arriver à démontrer que l'univers est en expansion depuis ce qu'on appelle le Big Bang. Oui. Sauf que, là aussi, c'est pas forcément ça. Ça, c'est l'univers tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. De façon un peu différente, l'univers ne bouge pas, il n'y a pas eu de Big Bang, c'est les objets qui sont dans l'univers qui se transforment. Par exemple, ils sont en contraction. Dire que l'univers est en expansion avec des objets qui ne bougent pas, c'est pareil que de dire dans un autre référentiel, celui-là, que l'univers ne bouge pas, mais que les objets à l'intérieur sont en contraction. Tout change. Si j'utilise ce référentiel, je ne peux plus additionner les vitesses comme j'ai pu le faire avec Galilée, ou même avant Galilée, ou même après. Je ne peux plus non plus gérer l'énergie pareil. Je ne peux plus gérer tout ça. Je dois changer mes lois. Parce que j'ai changé le référentiel. Bon, c'est comme préambule après, on va parler d'économie. Hein. Donc, attention, méfiance. Quand on affirme quelque chose, que ce soit en économie, en physique, en mathématiques, en quoi que ce soit, il faut être extrêmement précis. Qui pense que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés? Levez la main. Là, je vous ai aidé. Et pourtant, beaucoup d'entre vous croient, ou ont cru, ou croient encore, ou ne sont pas encore persuadés que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. A noter, ce n'est pas une proposition, ça. C'est une démonstration qui est faite dans la géométrie d'Euclide. C'est une démonstration, ce n'est pas une proposition. Il n'y a pas marqué dans les axiomes la somme des angles. Non, il y a d'autres axiomes, et à partir de ces axiomes, on démontre que, dans ce référentiel-là, dans cette géométrie-là, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Mais est-ce que c'est tout le temps vrai, ça? Eh non, ça dépend de la géométrie que j'utilise. Eh oui, il y a d'autres géométries que la géométrie euclidienne. Je peux bâtir une géométrie parfaitement cohérente sur une sphère. La Terre, par exemple. Je peux bâtir une géométrie parfaitement cohérente dans l'univers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La relativité générale d'Einstein, c'est un univers qui n'est pas plat. C'est une sorte de truc ondulé. C'est plus compliqué. Mais ça explique mieux les phénomènes. En tout cas, les lois qu'on en tire sont plus simples. La somme des angles d'un triangle sur une géométrie, par exemple, sphérique, n'est pas du tout égale en général à 180 degrés. En fait, ça dépend des triangles. Donc
mon affirmation n'a pas de sens en géométrie euclidienne. Quelqu'un me dit, ouais, mais alors comment vous faites maintenant pour retrouver l'angle d'un triangle? Si je connais deux angles, je ne peux plus le faire. Mais non, vous ne pouvez plus le faire. Non. En tout cas, vous ne pouvez plus le faire comme avec la géométrie euclidienne. En géométrie euclidienne, si je connais deux angles, je peux trouver le troisième. En géométrie sphérique, non. Il faut que je sache exactement de quel triangle je parle. Et dans ce cas-là, si je connais deux angles et que je connais les trois points, avec des calculs un peu compliqués, je peux trouver le troisième angle. Ben, ce n'est pas le même théorème. Autre géométrie, autre référentiel, nouveau théorème. Et maintenant, parlons un peu des conneries. Ouais. Qui a entendu parler du Bitcoin ? Pourquoi ? Bitcoin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Bitcoin est une monnaie qui a été créée aux alentours de 2008, 2009, 2007, peut-être un peu. Bon. Qui est une monnaie entièrement numérique. Pas virtuelle. Un virtuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Elle existe bien, elle est numérique. Elle s'inscrit sur des comptes. Et elle s'échange. Elle s'est créée. Elle se crée encore un peu. Plus beaucoup. Et elle a déjà une valeur. Le Bitcoin, ici en dollars. De 2009 à 2014. En 2009, ça valait presque 0$. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 600$. La somme des Bitcoins vaut aujourd'hui 8 milliards $. C'est que des nombres. C'est que des nombres. Comme la monnaie. La monnaie, ce sont que des nombres. Votre compte en banque en euros, c'est uniquement des nombres qui a marqué dessus. Mais parce que ces nombres sont limités et utilisés par les hommes comme valeur économique d'échange, elles prennent une valeur d'échange. S'il arrête de l'adopter, elle ne prend plus de valeur. Le Bitcoin vaut donc 8 milliards $. Pas mal. Sans modifier l'euro, sans attendre que l'euro se modifie, ou que le dollar se modifie, ou que le yuan se modifie, ou que l'euro se modifie. 8 milliards $, c'est pas mal. Monnaie hyper spéculative, hein, regardez. C'est fou ça quand même, de 0$ passer à 600 comme ça, avec des sauts et des bas. Ben, ça dépend le référentiel. C'est qui est spéculatif? C'est le Bitcoin ou c'est le dollar? Ça c'est le dollar. C'est le Bitcoin, pardon, en dollars. Tout à l'heure c'était le Bitcoin en dollars, là c'est le dollar en Bitcoin. Il faut de moins en moins de Bitcoin pour avoir des dollars. Donc qui est spéculatif? C'est le Bitcoin qui varie en dollars? Ou c'est le dollar qui varie en Bitcoin à votre avis? Lequel des deux est bon? Qui pense que c'est le premier? Qui pense que c'est le second? Qui pense que c'est aucun des deux? Les deux. Ben oui. Si j'utilise le Bitcoin, est-ce que je ne suis pas en mesure de calculer tous les prix de l'économie en Bitcoin? Étant donné qu'il y a un taux de change. Je ne peux pas dire que ma maison vaut autant de Bitcoin, que ma voiture vaut autant de Bitcoin, que mon travail vaut autant de Bitcoin. Est-ce que j'ai volé quelque chose aux euros? Est-ce que j'ai volé quelque chose au dollar? Est-ce que j'ai volé quelque chose à qui que ce soit? Oui, j'ai rien volé. Le référentiel reste quand même... Les questions vont venir. Après. Ça va être chaud, je n'ai pas fini. J'ai choisi un référentiel. Alors il se trouve qu'en économie, c'est un peu différent qu'en physique. En physique, je n'ai pas le choix. L'univers, il m'est donné. Même si on peut considérer qu'on participe de l'univers, apparemment on ne peut pas faire grand-chose pour bouger le mouvement des galaxies. Mais en économie, on peut créer des valeurs économiques. Les hommes créent des valeurs économiques qui changent l'économie, qui la bouleversent. Donc c'est pas tout à fait pareil. On peut choisir le référentiel en créant aussi des valeurs économiques, pas uniquement en choisissant une valeur économique existante. On peut créer une valeur économique nouvelle, le Bitcoin. Qui, il y a 10 ans, pouvait envisager que... on allait créer une nouvelle monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Et choisir d'utiliser ce référentiel. Est-ce que tout le monde utilise le Bitcoin, tiens, en fait? Non. Quelques-uns. Est-ce qu'on est obligé donc que tout le monde soit d'accord pour choisir sa monnaie? Et pour qu'elle ait une valeur économique? Eh non. On n'est pas obligé. Ah. Bon, j'ai dit que c'était un pseudo revenu de base. Hein. Le RSA. Évolution du RSA de septembre 2001 à septembre 2013. Il est parti d'environ 399 euros en 2001 et il vaut aujourd'hui environ 500 euros.
pseudo-revenu de base, bien sûr, il n'est pas inconditionnel, pas cumulable, il n'y a pas forcément la bonne valeur, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, ça m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est, oh, super, ça monte. Génial. La valeur du minimum social en France monte. Pas inconditionnel, pas cumulable, parce que... Ça monte. Bah, dans quel référentiel il monte, au fait? Il monte en quoi, là? En euros. Mais c'est quoi les euros? Je sais pas ce que c'est, moi. La vitesse de la lumière, je sais ce que c'est. Je prends de la lumière, je mesure, je peux trouver sa vitesse. Un euro, c'est quoi? Une unité. Ouais, mais une unité, ça veut rien dire. Moi, je sais pas. Ce que je vois, c'est que je vais changer de référentiel pour voir si ça monte tout le temps. Quel que soit le référentiel. Le RSA en France, en pourcentage de la masse monétaire. Le même, hein? Exprimé en pourcentage de la masse monétaire depuis 2001. Alors, il monte ou il descend? C'est stabilisé. C'est lequel le bon référentiel, le 1 ou le 2? Qui pense que c'est le 1? Le RSA monte. Qui pense que c'est le 2, le RSA baisse? Qui pense que c'est ni l'un ni l'autre? Eh oui. Parce qu'entre les deux, entre 2001 et 2014, est-ce que l'ensemble des valeurs économiques sont les mêmes? Vous les comparez quoi exactement? Si vous n'avez pas les idées fixes, vous allez partir en vrille, hein? Eh oui. Pas clair, hein? Choisir sa valeur de référence, c'est choisir sa monnaie. Je peux choisir l'or comme valeur de référence. Il y en a qui continuent à compter leur valeur en or. Est-ce qu'ils obligent les autres à le faire? Est-ce que vous êtes obligé à le faire? Non. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui. Ils s'en privent pas, d'ailleurs. Ça ne vous oblige pas à accepter les prix qu'ils mettent sur le marché. Si quelqu'un veut vendre ses biens ou ses services un lingot d'or, ça ne veut pas dire qu'il va trouver des clients. C'est pas parce que je fixe un prix, que je sois un individu, une entreprise, une collectivité ou quoi que ce soit, que j'aurai des clients. Est-ce que je peux pour autant, effectivement, choisir de faire ma comptabilité dans la valeur de référence que j'ai choisie? Ben, bien sûr que oui. Je peux compter en lingots d'or, pourquoi pas en maison. Je pourrais calculer, en, par exemple, en nombre de mètres carrés achetables à Paris. En kilos de blé, en ce que je veux. Ça changera, par contre, d'une année sur l'autre. En fonction des... force de référence entre les valeurs, avec des valeurs qui changent. Donc là, en choisissant ma valeur de référence, je choisis mon référentiel. Je peux choisir une valeur existante, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux choisir une valeur aussi que je crée, par exemple le Bitcoin. Et ceci, je l'appelle ma monnaie. Et si après je chiffre tout dans cette monnaie et que je ne comprends pas pourquoi les astres ne bougent pas comme je voudrais qu'ils bougent, c'est peut-être que mon référentiel, c'est pas le bon. Si tant est que bon veut dire quelque chose. Euro, livre, dollar, bitcoin, or, maison, travail, what the fuck? J'en ai combien? Pour une valeur de référence donnée sur Terre à un moment donné, j'en ai une certaine quantité, toujours. J'ai combien d'euros en zone euro en 2014? Qui le sait? 10 000 milliards. 10 000 milliards. Ouais, y en a qui suivent le blog, c'est bien. Créationmonétaire.info, tous les mois, ce graphique mis à jour. La masse monétaire euro a doublé entre 97 ou 98 et 2009 depuis la crise. Et depuis la crise, tiens, regardez, ça ne bouge plus. Il n'y en a pas plus. Ah, c'est bizarre, plus de croissance. Mais tiens, on ne crée plus de monnaie. Plus de monnaie, plus de croissance. C'est curieux, ça, quand même. Hein. Et quand je crée de la monnaie, il y avait de la croissance. Est-ce que c'est la croissance qui fait qu'on crée plus de monnaie? Ou est-ce qu'on crée plus de monnaie qui... C'est compliqué, ça. Hein. J'en ai combien? En zone euro, 10 000 milliards, effectivement. Il y a 330 millions de citoyens, ce qui fait une moyenne intéressante à connaître. D'euros en circulation, de 30 000 euros par citoyen, qui le savait?
Des lecteurs assidus. C'est quand même pas compliqué à faire. Je pourrais faire la même chose pour l'or ou n'importe quoi. J'en ai combien par tête de pipe? Parce que la population, elle peut bouger, un peu plus de naissance, un peu plus de décès, mais ça bouge pas tous les ans. Ça bouge tous les 20 ou 30 ans, c'est très lent. L'échelle d'une vie humaine, ça bouge, mais lentement. On peut diviser par nombre de citoyens, ça me donne une bonne idée de... Est-ce que j'en ai un peu comme les autres ou pas? Le reste, c'est beaucoup de charabia pré-relativiste, je dirais. Quelle création? Comment ça se fait qu'il y ait eu de la création de monnaie? À quel moment il y a eu de la... Pourquoi il y a des moments où les hommes décident, ou certains hommes peut-être, peut-être pas tous, décident de créer de la monnaie, et à d'autres moments, il n'y a pas? De quel droit il y a ça? Est-ce que les hommes de 20 ans ont moins de droits qu'ils étaient en 2008 qu'ils sont en 2014? Il y a toujours des hommes de 20 ans en 2014, que je sache. Il y avait des hommes de 20 ans en 2008 aussi. Pourquoi la création de monnaie est différente pour ces hommes-là? Si c'est les mêmes hommes de 20 ans qui naissent libres et demeurent égaux en droit. Comment ça se fait, ça? C'est curieux, quand même, cette histoire. Hein. Intéressant à réfléchir, en tout cas. Et où on crée de la monnaie? Si on a créé le double de monnaie au Larzac, pendant 20 ans, à votre avis, il va se passer quoi au Larzac? Hein, si je mets un pool de banquiers, là, hein, qui vont créer de la monnaie au Larzac pendant 20 ans, à votre avis, il va se passer quoi? Est-ce que ça va rester un désert? Hein? Il risque de se passer des trucs. Et si je crée pas la monnaie au Larzac, mais que je le crée à Paris pendant 20 ans, elle va être où l'activité économique? Ah oui. Alors, quelle création monétaire dans le temps, c'est bien aussi, mais savoir où elle se crée, c'est intéressant aussi. Et notamment, j'ai mis « où », entre parenthèses, « h ». Où, par rapport aux hommes, bien sûr, parce que par rapport à un désert au Sahara, ça m'est égal qu'on crée des euros, qu'on les stocke au Sahara. Par contre, savoir s'il y a des hommes ou pas qui sont capables de l'utiliser, cette monnaie, là où je vais en créer, ça, c'est une autre problématique. Donc, mon espace de réflexion tient compte des hommes. Pardon, donc c'est où elle est créée et qui la où, garde. C'est surtout qui. Qui la garde. Qui la reçoit, ou qui la crée, qui l'émet et qui la reçoit. Dans le temps et dans l'espace. Qui, en fait, donc, contrôle la création monétaire? C'est pas pareil d'avoir un système pyramidal. Qui connaissait le Minitel? Minitel, réseau centralisé, pyramidal. Le centre, France Télécom. Décisionnaire, France Télécom. Qui connaît un réseau informatique décentralisé? Internet. Pas un centre qui décide. C'est une multitude d'acteurs qui décident de s'interconnecter de façon plus ou moins biaisée par la façon dont on crée la monnaie, d'ailleurs. Ben oui, parce que si j'ai droit à avoir beaucoup de crédits et pas les autres, j'aurai peut-être plus accès à Internet que les autres. Ou alors, on peut envisager aussi un réseau donc symétrique, y compris pour la monnaie. C'est possible. Le Bitcoin a une forme de symétrie. Ben, elle n'est pas terrible, terrible, mais bon, elle n'est pas tout à fait centralisée. Il faut analyser plus finement. Donc, qui des hommes et des dates différentes dans le temps se permet ou pas de créer la monnaie au bénéfice de qui? Alors voilà un schéma important à comprendre ici. L'évolution dans le temps d'une société humaine. Ben, dans une société humaine, tous les âges sont représentés. Ben, évidemment, les hommes n'ont pas le même âge. Et puis un homme lui-même, il vit jusqu'à ce qu'il ne vive plus. Pendant une espérance de vie moyenne qui est à peu près connue, hein, c'est environ 80 ans. Si donc des hommes ici décident de créer toute la monnaie ou une grosse part de monnaie ici, et qu'ils ont le droit de créer de la monnaie et qu'ils n'en créent plus après, est-ce que vous pensez que les hommes dans cet espace-là vivent libres et égaux en droit? Si c'est les plus anciens ici qui ont toute la monnaie parce qu'ils l'ont créée ici à leur bénéfice là, ils vieillissent ici, mais les nouveaux entrants là, où est leur part?
Elle a disparu. Elle était cachée au sous-sol. Vous voyez, si on crée de la monnaie dans des endroits spécifiques du temps, eh bien on exclut les générations montantes. Ça se voit pas d'une année sur l'autre, parce que vous n'avez pas l'impression que les hommes naissent, vivent et meurent d'une année sur l'autre. Et au bout de 40 ans, ça finit par se voir. Mais la valeur, elle change dans le temps. La monnaie, surtout, elle se crée. Très important à comprendre ça. Espérance de vie humaine, 80 ans. Donc, si une génération se crée la monnaie à son bénéfice, et que derrière les générations suivantes, elles, n'ont pas eu ce droit de création monétaire, est-ce que les générations sont libres et égaux en droit ? Mmh. Non. Ben, c'est pareil dans l'espace. Que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés qui se créent de la monnaie à leur avantage, ben, c'est pareil. Peut-être que les autres hommes ne sont pas dans la même situation. Est-ce que la monnaie est véritablement une valeur économique comme les autres ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la valeur économique qui est commune ? Est-ce que ce n'est pas justement le référentiel qui est commun ? Est-ce que ce n'est pas justement cette valeur économique qui, parce qu'elle est commune, ou parce qu'elle devrait être commune, pourrait servir effectivement de référentiel de mesure commun ? Est-ce que je vais utiliser le bitcoin si j'en ai pas ? Est-ce que je devrais utiliser l'euro si j'ai pas eu les mêmes droits de création monétaire que les autres ? La théorie relative de la monnaie donc, bâtit un référentiel où le fondement, c'est les hommes. Rien d'autre. Certainement pas les valeurs économiques. Toutes les valeurs économiques sont relatives. On n'a pas les mêmes idées sur ce qui est valeur économique ou pas. Ni dans cette salle au moment présent, ni par rapport à la même salle qui se réunira dans 20 ans au même endroit. Parce que ça ne sera pas les mêmes individus. Et ils ne vivront pas dans le même espace économique que nous, comme on ne vit pas au même espace économique que 1837. Nos valeurs économiques ne sont pas en rapport. Elles n'ont pas évolué d'un coup. Elles n'ont pas évolué d'un état 1 à un état 2 d'un coup. Ça s'est fait un peu chaque année. Dans la théorie relative à la monnaie, on arrive à la démonstration donc qu'un référentiel commun de l'économie, donc une mesure commune des biens et des échanges économiques, peut se faire avec une valeur économique commune qu'on va appeler monnaie, qui ne peut se créer aucunement en privilégiant quelque homme que ce soit, ni dans l'espace, ni dans le temps. Est-ce que c'est possible d'avoir une solution à ce problème ? Parce que là, j'ai posé un problème. La théorie relative à la monnaie démontre que oui, il existe une solution. Pas deux ni trois. Une seule. C'est forcément une monnaie qui est fondée sur un revenu de base. Et c'est pas n'importe quel revenu de base, c'est un revenu de base qui est un pourcentage de la masse monétaire, et ce pourcentage, c'est pas n'importe quel pourcentage, il dépend directement de l'espérance de vie. Parce que les hommes vivent 80 ans, ce pourcentage, il est autour de 10% par an. Si les hommes vivaient 160 ans, il serait environ de la moitié, 5%. Si les hommes vivaient moins vieux, il serait plus fort. Vous avez remarqué que ce qu'on appelait les pays du tiers-monde avait en général ce qu'on appelait une forte inflation. Leur espérance de vie, elle était plus grande ou plus petite que la nôtre ? Elle était plus petite. Si l'espérance de vie est petite, les générations se succèdent vite. Donc si on veut que la monnaie existe dans la zone économique, qu'elle ne soit pas concentrée quelque part, donc n'ayant pas de rôle effectif, il faut qu'elle se crée un rythme plus vite. Donc c'est 10% annuel ? C'est pas exactement 10%, c'est pas un chiffre exact. C'est ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'espérance de vie. On va y venir juste après. Autre réflexion, toujours le même schéma. Et donc l'évolution des valeurs dans le temps. Selon les périodes, les hommes s'attachent à certaines valeurs. Et là, j'ai mis une valeur particulière ici. G libre de X. Alors le G avec un tréma dessus, là, ça veut dire G libre. Qu'est-ce que G libre ? Qui sait à peu près ce que c'est, là ? Ouais ? Oui, mais c'est quoi ? Non, vous n'avez pas suivi ? Pardon ? Ça veut dire que c'est ni X,
Niveau X ? Ouais, c'est un peu ça. Donc en fait, effectivement, le G libre de X, ce sont les valeurs économiques que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'elles existent ou pas ? Qu'est-ce que l'innovation ? Si un homme crée une valeur économique à un moment T, est-ce que les autres hommes sont au courant ? Quand Richard Stallman, en 1983, crée les logiciels libres, qui est au courant ? En 1983, que Richard Stallman. Aujourd'hui, beaucoup plus de monde reconnaît les logiciels libres. Très très grande innovation, sans doute la plus grande création de valeur économique de tous les temps. Mais il n'a pas été beaucoup rémunéré, le pauvre. Bien, ça, donc dans le temps, on peut voir comme ça. Edmond Albius, esclave, invente le procédé de vanillification. Est-ce qu'il a touché un copec pour ça ? Non. Bah, non, il n'a pas touché grand-chose. Au moment où il le crée, qui est au courant ? Que lui. Donc la valeur, les valeurs non reconnues sont toujours aussi des valeurs relatives. Pour le créateur, ce n'est pas inconnu. Pour les autres, ça l'est. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'abri de croire que vous connaissez les valeurs économiques ? Ben, vous connaissez que celles qui viennent du passé. Comment voulez-vous connaître celles qui sont créées dans les garages par les jeunes de 18 ans ou les vieux papis débrouillards de 70 ? Vous n'en savez rien. Moi non plus. Accepter déjà l'innovation, c'est déjà avoir un point de vue relatif sur l'économie. Et pas décider pour tout le monde de ce qui serait bien ou pas. On n'en sait rien, on ne sait pas grand-chose. Dans 5 ans, vous connaîtrez quelques innovations de plus. Mais est-ce que vous serez à l'abri qu'il y en ait des nouvelles ? Eh non. Sur toutes ces réflexions, donc, la théorie relative monnaie établit l'asymétrie qu'on appelle spatio-temporelle entre les hommes, donc. Bon, ces petites équations, hein, je vais pas vous les commenter longtemps, je sais que tout le monde n'est pas forcément mathématicien. Mais c'est pas très très compliqué, hein. Il faut simplement dire, un, je ne peux pas créer de la monnaie pour établir une monnaie libre. Si je veux établir une monnaie autre, comme je l'ai dit, chacun choisit sa valeur de référence. Mais si je veux une monnaie libre, au sens où aucun homme n'est désavantagé devant la monnaie, alors je ne peux pas créer de monnaie sans qu'elle soit intégralement distribuée à tous les membres de mon système monétaire. À l'instant T. C'est ce que j'appelle la symétrie spatiale. Quand le temps est figé, on voit que l'espace, symétrie spatiale. Et dans le temps, il faut qu'aucun moment dans le temps ne soit privilégié non plus. Donc, cette création de monnaie, comment elle peut être égale entre les périodes ? Il faut qu'en fait la part relative de monnaie, c'est-à-dire la part de monnaie qu'on va créer par rapport à l'ancienne part de monnaie, soit dans le même rapport que l'espérance de vie. Il faut que pendant sa vie, chaque homme ait reçu la même part de monnaie, qu'il soit arrivé en premier ou en dernier. Les derniers seront comme les premiers. Ça vous rappelle un truc, ça ? DU de T, le dividende universel, est égal environ donc, à quelque chose qui doit être égal à log de l'espérance de vie sur 2 divisé par l'espérance de vie sur 2. L'espérance de vie de, étant de 80 ans, ça fait log de 40 sur 40. Et on obtient très exactement 9,22%. On peut être un peu moins, un peu plus. C'est pas très très grave, ça fait pas de grande différence. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. C'est environ 10% par an. Et c'est pas 10%, c'est log de la demi-espérance de vie sur la demi-espérance de vie. Pourquoi la demi-espérance de vie ? Parce que c'est le centre de la vie. C'est la symétrie entre les anciens et les nouveaux. Autrement dit, ici, j'ai mis log de mort moins naissance sur mort moins naissance. Ça, c'est si on prend toute la vie. En fait, c'est la vie, quoi. Log de la vie sur la vie. C'est une monnaie de vie, quoi, pas une monnaie de mort. Donc c'est une part relative de monnaie. Non, théorie relative de la monnaie, pas théorie quantitative. Il n'y a pas de quantité de quoi que ce soit, puisque les valeurs changent à la fois entre les individus qui ne sont pas d'accord entre eux à un moment donné, et dans le temps, entre les générations, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs non plus. Que moment voulez-vous que ce soit autre chose que l'individu lui-même qui estime ce qui est valeur ou pas ? Selon l'observateur, les vitesses et les éléments physiques ne sont pas perçus de la même façon. Pour autant, ils ont un instrument commun entre eux, entre observateurs physiques, qui s'appelle la vitesse de la lumière. C'est le seul invariant, on appelle ça un invariant. Quel est l'invariant en économie ? La monnaie. Sinon, ce n'est pas une monnaie. C'est une valeur économique. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que le bitcoin, ce n'est pas vraiment une monnaie. En tout cas, ce n'est pas une monnaie libre. C'est une monnaie non libre, si on veut. Et, ou alors une valeur économique quelconque.
Mais elle n'est pas acceptable en tant que monnaie libre, puisqu'elle ne se crée pas sur la base des hommes. Donc la part relative de monnaie, ici, la part créée sur la somme de la monnaie créée précédemment, est toujours la même. Je l'ai appelé C, pour rappeler la vitesse de la lumière. C'est un peu la même idée. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça rappelle le principe de l'invariant. La monnaie ne doit pas être variante, sinon c'est pas un référentiel commun. C'est autre chose. Et les valeurs économiques sont pas les mêmes ici et là-bas. Vous voyez, j'ai mis des icônes différentes, sauf le fait que j'ai mis G de X à chaque fois, G libre de X, mais c'est pas les mêmes valeurs. C'est le même G libre de X, mais à chaque fois, ça représente les valeurs inconnues au moment donné où j'observe les valeurs économiques. Il y a des valeurs inconnues. Je ne peux pas en dire grand-chose au moment où je l'observe. Plus tard, je pourrais dire, ah ben, à cette époque-là, ils avaient créé ça, parce que maintenant, je suis au courant. Mais là, tout de suite, si je vous dis en 2014 où sont les innovations, ben, vous ne savez pas. À moins que vous-même en ayez créé une. Pardon, pourquoi ça, elles grossissent, là, Oh, c'est juste un effet d'optique, ça. Non, à droite, l'argent, là. L'espèce de ligne de... Ça, là. Ouais, ça grossit, c'est pas un effet d'optique. Eh bien, quantitativement, la monnaie augmente. Mais c'est que des nombres. Ouais. Relativement, ça change pas. On va le voir juste après. Donc, il faudrait qu'il y ait la même masse monétaire d'euros par rapport à... On y vient. Nous avons donc, en fait... Il faut comprendre que nous avons, pour avoir une part relative de monnaie qui ne change pas, vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas calculer, vous ne pouvez pas fonder les nombres relatifs si vous n'avez pas d'abord une base quantitative. Vous avez besoin des entiers naturels pour fabriquer des fractions. Les fractions, c'est un nombre entier naturel divisé par un autre. Un pourcentage aussi, c'est ça. Et vous devez avoir d'abord des données quantitatives pour ensuite faire des données relatives. Vous avez ici trois individus. C'est dans une vidéo que j'ai appelée le quantitatif et le relatif. Vous pouvez trouver sur Internet. Le quantitatif et le relatif. Il faut la regarder jusqu'au bout. C'est pas long, ça doit durer 20 minutes. Et c'est résumé par ce tableau, présent dans la vidéo. Les trois individus qui se partagent une quantité de monnaie. Ça vous donne une masse monétaire si je fais la somme des trois. Alors ces trois individus, ou ces trois groupes d'individus si vous voulez, hein, peu importe. Et une masse monétaire. Je calcule un dividende universel de 10% de la masse monétaire, divisé par 3, donc, puisqu'ils sont 3. Donc le dividende universel ici, commun, entre les 3, qui va être distribué à chacun, est de 500. 10% de 15 000, ça fait 150, divisé par 3, 500. Ils vont recevoir chacun 500 de création monnaie, de co-création. Ils vont en fait co-créer leur monnaie pour 500 unités ici supplémentaires. Je n'ai pas dit de quelle monnaie il s'agit là. Hein. Je n'ai pas dit que c'était des euros ou quoi que ce soit. Hein. C'est des unités d'une monnaie quelconque qui se veut libre ici. Ils vont donc recevoir un dividende universel, un revenu de base, si vous voulez. 500. Ben donc la masse monétaire va augmenter en quantitatif. Oh là là, l'inflation. Oh, c'est la panique. La masse monétaire a augmenté. Ben, admettons que les prix aient augmenté, d'ailleurs, mais chacun a reçu la part de monnaie. Est-ce que c'est gênant? Imaginons que les prix augmentent de 5%, mais que chacun ait reçu les 5% supplémentaires de monnaie. Par contre, si les prix montent de 5%, mais qu'il y en a un seul qui a reçu toute la monnaie, est-ce que là, c'est gênant? En termes de référentiel commun, c'est un peu pénible. Et encore, ceci, c'est que la réflexion quantitative. Vous allez voir, en relatif, c'est encore plus radical. Donc, ma masse monétaire a augmenté. Le nouveau dividende, il sera un peu plus grand, automatiquement, l'année suivante. Puis elle augmente, forcément, puisqu'on a rajouté cette monnaie, et etc., on continue. Ça, vous pouvez le faire vous-même sur un tableau, un tableur. Hein. C'est pas facile, c'est pas difficile à faire, il y a six lignes. Hein. Ça, c'est en partie, c'est en quantitatif. Bon, très bien, mais on a vu tout à l'heure qu'est-ce que les référentiels sont absolus. J'ai pas le droit d'échanger de référentiel. Donc j'ai choisi de changer de référentiel. Maintenant, je vais compter ma monnaie en nombre de dividendes. En nombre de revenus de base. C'est ma nouvelle unité. J'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit? Bien sûr, j'ai le droit. Pardon, c'était quoi l'unité avant? Là, c'est simplement l'unité de la monnaie en tant que nombre. Par exemple, le nombre d'euros. Et là, je passe en nombre de dividendes. Ou en nombre de revenus de base. C'est équivalent, hein, c'est la même chose. Bah, je divise les comptes par le dividende actualisé. Ici, c'est 500. Je divise 2000 par 500. J'ai combien de DU de dividendes sur ce compte?
2000 divisé par 500, 4. 5000 divisé par 500, 10. 8000 divisé par 500, 16. J'ai trois comptes. L'un contient 4 dividendes, l'autre 10 dividendes, et enfin le troisième, 16 dividendes. J'ai changé d'unité, j'ai changé de référentiel, j'ai changé la façon que j'ai de projeter ma monnaie. On y est ? La masse monétaire en nombre de dividendes, 30. Et regardez qu'est-ce qui se passe l'année suivante, elle devient quoi la masse monétaire ? Elle reste à 30. Est-ce que je crée de la monnaie ? Qui pense que je crée de la monnaie là ? Qui pense que je crée pas de monnaie ? Il y en a qui pensent rien. Qui pense que c'est ni l'un ni l'autre ? Bah, c'est ni l'un ni l'autre, ça dépend du référentiel dans lequel je suis. Maintenant on voit bien que si je raisonne par contre en relatif, il n'y a ni création ni destruction de monnaie. Comment voulez-vous qu'il y ait de l'inflation ? Je ne crée pas, je ne détruis pas de monnaie. Pourtant j'en crée tout le temps. Ah ben oui, parce que je crée toujours de la monnaie en quantitatif. Mais en relatif, est-ce que ça apparaît ? Non. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que les comptes changent ou ne changent pas ? Ils changent dans les deux cas. Il y a quand même des changements. C'est des propriétés, ça, c'est pas voulu. Quand j'ai calculé les conditions pour créer une monnaie libre, j'ai pas le choix, j'arrive au résultat. Après, quand j'étudie les propriétés de cette monnaie, je constate qu'elle a certaines propriétés qui sont particulières. Ceux qui ont moins reçoivent un peu plus, ceux qui ont plus se retrouvent avec un peu moins. En dividende. Mais d'une année sur l'autre, est-ce que c'est les mêmes valeurs économiques qui sont dans l'économie ? Ben, ça dépend de ce qu'ils auront fourni ou pas comme création de valeur, ces hommes-là. Donc on n'en sait rien. Sans compter le G libre de X, les valeurs qu'on ne connaît pas, qu'ils auront créées. Donc est-ce qu'on peut comparer véritablement les pouvoirs d'achat entre deux années en termes de valeur économique ? Non, on ne peut pas. Ça reste une approximation locale tout à fait discutable. Ce n'est pas une valeur correcte d'analyser les phénomènes. Il est très important, pour comprendre le principe d'une monnaie libre, où le revenu de base ne se finance pas, mais est le fondement même de la monnaie, il est très important de savoir raisonner à la fois en quantitatif et en relatif. C'est facile, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Vous pourriez le faire, par exemple, en euros, en France, on pourrait compter en nombre de RSA. Vous pourriez tout compter en nombre de RSA. Vous changerez beaucoup, beaucoup l'analyse des phénomènes en faisant ça. Une voiture, ça ne coûte pas 10 000 euros, ça vaut 20 RSA. Une maison, ça ne vaut pas 500 000 euros, ça vaut 1000 RSA. Alors en plus, si vous l'appelez revenu de base, c'est encore mieux. Vous faites la promotion du revenu de base. Alors ceux qui ne l'ont pas, ils vont dire, mais attendez, c'est quoi ce revenu de base là ? Vous me dites, c'est 1000 revenus de base, la maison, comment je fais pour en avoir un revenu de base ? Déjà, vous êtes obligé de donner la réponse. Ce serait un moyen de faire de la promotion tout à fait extraordinaire. Hein, beaucoup plus radical qu'autre chose. Mais on peut faire encore mieux. Mais ça serait déjà pas mal. Hein. Ah oui, tiens, notez. Hein, vu que le dividende vaut 10% de la masse monétaire divisée par 3, forcément la masse monétaire vaut 3 divisé par 10% dividende, c'est-à-dire 30. Hein. C'est facile hein, d'écrire. Normalement, un élève de 5e sait faire ça. Hein. Moi, je l'ai fait faire à mes élèves, ils savent. Hein. Ils n'ont pas compris de quoi ça traitait, mais ça veut le faire. Donc, à noter que donc, l'évolution des hommes ici dans le temps est aussi l'évolution des valeurs dans le temps. Alors là, donc du coup, je vous ai rajouté ici les valeurs qu'on ne connaît pas, qu'il ne faut pas négliger. Elles peuvent être importantes, pas importantes, on n'en sait rien, c'est un point de vue relatif. S'il y a des hommes qui estiment que ce qu'ils créent, c'est plus important que tout le reste, ça les regarde. Par contre, ça ne s'impose pas aux autres non plus. Les valeurs sont dans un certain état à une certaine époque, et puis dans un état, qu'est-ce qui sera dans le futur ? Qui peut le prédire ? Donc les décisions que l'on fait aujourd'hui, notamment concernant la monnaie, sans tenir compte du fait qu'on n'aura aucune idée de ce que les nouvelles générations vont faire, c'est pas très sérieux. Peut-être qu'on se prive d'énormément d'améliorations dans tous les domaines, parce que les hommes sont privés de monnaie tout simplement. La monnaie est un outil essentiel des échanges économiques. On va en parler juste après avec une application pratique, directe, très facile à faire et amusante. Donc, est-ce qu'on peut avoir maintenant le RDB tout de suite, maintenant, quoi, sans attendre 107 ans qu'une élection un jour décide qu'un président qui a trop bu dise « Allez, on le fait !» Ben, bien sûr qu'on peut. On l'a vu parce qu'on a vu le Bitcoin.
Bon, c'est un peu technique le Bitcoin, je ne vous le cache pas, hein. C'est une informatique à haut niveau, donc il ne suffit pas de dire on va le faire. Ça demande des gens de haut niveau informatique pour arriver à faire ce genre de truc. Je vous ai classé ici les monnaies des moins libres aux plus libres. Donc évidemment, les monnaies à réserve fractionnaire ne sont pas libres du tout. L'État vous endette malgré vous. Il s'endette et après vous demande de payer. Les banquiers, bien sûr, prennent leur part au passage en plus. Tout ça est bien compliqué. Demain, je crois que Gérard Fouché va faire une conférence. Ouais. Et il va vous parler, il parle très bien de l'argent dette. De comment le système monétaire fonctionne et pourquoi il est inéquitable, etc. Et en général, il fait aussi une petite extension pour parler un peu de la théorie relative de la monnaie ou du dividende universel. Mais il passe beaucoup de temps pour expliquer ce phénomène-là très très bien. Donc j'en parle pas ici, je voulais séparer les deux. Toutes ces monnaies ont été créées. Il n'y a pas eu que le Bitcoin, ils ont fait des forks, ce qu'on appelle ils ont pris. Le Bitcoin est un logiciel libre. Ça veut dire le code source est disponible et copiable. C'est ça qui est extraordinaire, c'est malgré que le code source soit disponible et copiable, le Bitcoin est entièrement sécurisé. C'est une technologie de fou. En fait, c'est le réseau et non pas le logiciel qui tient lieu de verrou, si vous voulez. Il y a eu des modifications qui ont été faites, mais aucune de ces modifications ne tient compte du fait des utilisateurs humains qui utilisent la monnaie. C'est un truc uniquement technologique, pas du tout humain. Après, des humains choisissent de l'utiliser ou pas, ils sont aveuglés ou pas, ça c'est leur problème, mais la monnaie n'est pas conçue en tenant compte de l'homme. Cyclos, c'est un système de gestion de monnaie utilisé par les SEL, système d'échange locaux, qui permet éventuellement de créer une monnaie libre. Mais on peut créer toutes sortes de types de codes de monnaie avec. Des monnaies libres, des monnaies pas libres, des monnaies à crédit, des monnaies pas à crédit, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais c'est centralisé. Donc centralisé, les CRS débarquent, ils saisissent le serveur, terminé. C'est pas terrible. Monnaie M, centralisé aussi, mais plus intéressant peut-être que Cyclos en termes de monnaie libre, c'était créé par un développeur français, Mérome. Il a voulu aider à la compréhension de la nature de monnaie libre en développant tout de suite une monnaie utilisable. Il y a déjà environ 500 utilisateurs qui l'utilisent et qui ont échangé des biens quelconques, un peu de type Le Bon Coin, voyez-vous, hein, pour échanger des livres ou des choses comme ça. Et ils ont utilisé cette monnaie. Elle a pris de la valeur. Aujourd'hui, j'avais calculé, là, il y a quelques mois, qu'elle valait déjà environ 15 000 euros. C'est petit, hein, bien sûr, mais bon, il a démontré qu'on pouvait faire une monnaie libre et qu'elle pouvait prendre de la valeur assez vite. Le fait qu'il soit centralisé fait que la reconnaissance des individus se fait depuis un centre, etc., c'est pas très pratique. Et alors là, la grosse machine, le truc optimal, le projet OpenUDC et Ucoin. Alors Ucoin, c'est un fork du premier, donc une copie du premier avec des petites modifications pour faire quelque chose d'un peu différent, parce que chaque développeur a sa façon de voir les choses. C'est une monnaie décentralisée, pareil que le Bitcoin, mais avec un gros étage en plus, puisqu'on va reconnaître les individus. C'est technique. Je ne vais pas en parler là, il faut une conférence complète au moins pour embalayer les détails, voire même plusieurs jours pour vraiment aller au fond. Les individus se reconnaissent de façon décentralisée. Ça n'empêche pas une très grande confiance. Je vous le dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sont des projets qui ont démarré il y a très peu de temps en termes de développement informatique, puisqu'on parle de 2-3 ans, pas plus. 3 ans pour mettre au point les concepts pour OpenUDC. Ucoin a démarré il y a à peine un an. Par contre, très très vite, le développeur est très rapide. En plus, il a très très bien compris tout un tas de concepts. Bon, il a bénéficié du travail d'OpenUDC aussi. Et peut-être que ça sera d'autres projets de monnaie libre qui vont émerger derrière. C'est en cours. Si vous n'êtes pas informaticien, vous ne pouvez pas vraiment participer à ça. Si ce n'est en parler, essayer de comprendre un peu comment ça marche, mais c'est un truc d'informaticien. Mais regardez le Bitcoin, c'est un truc d'informaticien. Ça vaut 8 milliards de dollars. Ça ne veut pas dire que si c'est un truc d'informaticien au départ, que ça sera un truc d'informaticien à utiliser. Tout le monde aujourd'hui utilise un ordinateur, enfin beaucoup d'entre vous. Vous n'êtes pas tous électroniciens ou informaticiens. Donc à la fin, bien sûr, la monnaie est facilement utilisable. Voilà. Donc je ne rentrerai pas dans les détails techniques, je vous dis juste que c'est en cours. Ça peut très bien être fini dans 3 mois. Ou dans 3 ans. Et ça dépend aussi du nombre d'informaticiens qui participent. Un peu de prospective.
On a parlé tout à l'heure de la masse monétaire par tête de pipe. Si on calcule la masse monétaire dollar aujourd'hui, c'est difficile parce que la Banque Centrale ne publie plus trop les statistiques. Mais il y a des sites qui font des statistiques, des shadow statistiques, des statistiques de l'ombre, et qui comptent le nombre de dollars en circulation, qu'on peut diviser par le nombre de citoyens américains, et on peut comparer par le nombre d'euros en circulation par citoyen. Alors vous voyez, j'ai mis 60 000 ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 30 000 euros par citoyen. Vous vous rappelez? Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a la partie sous l'eau. Qu'est-ce que la partie sous l'eau de la monnaie dette? Bah, c'est la dette. Un titre de dette, il vaut autant d'euros qu'il y a marqué dessus, quoi. Quand l'État s'endette, il donne un bon du trésor à une banque. Ce bon du trésor, il vaut 10 000 euros. La banque crédite l'État de 10 000 euros. Je parle de l'État parce que c'est le plus gros créateur de monnaie. C'est lui qui en crée le plus. À l'aide des banques. Banque et État. L'État donne des bons du trésor à la banque donne des euros à l'État. Le bon du trésor, elle fait quoi la banque? Elle peut le garder pendant que l'État rembourse. Et il s'éteint. À la fin, il est rendu. Et l'État se réendette. En général, le plus. Mais il peut aussi le revendre sur le marché. Vous-même, on vous propose des bons du trésor pour acheter votre maison. Vous n'allez pas forcément dire non. Parce que vous pouvez les revendre sur les marchés contre même des euros. Ça sert de valeur d'échange. En 2009, Warren Buffett... Qui connaît Warren Buffett? Voilà, un des plus grands investisseurs du monde, en tout cas il est très riche. Il a acheté une compagnie de chemin de fer avec des bons du trésor US. Pas avec des dollars, avec des bons du trésor qu'il avait. Il avait lui-même acheté des bons du trésor, parce qu'à un moment donné il avait dû estimer que c'était intéressant, et il a acheté une compagnie de chemin de fer avec ça. Les titres de dette valent autant d'euros dans une monnaie dette. Le moins et le plus sont autant de monnaie. On vous fait croire que la somme est égale à zéro, mais non, en fait... Ça, en fait, ça multiplie par deux. Voyez-vous? Il n'y a pas zéro de monnaie, non, non. Il y en a deux fois plus qu'apparent. Donc, il y a en fait 60 000 euros en circulation, si on compte les titres de dette. J'ai détaillé ça dans un post qui s'appelle la double masse monétaire. Si on fait ce rapport entre la masse monétaire US et la masse euro, on tombe sur 1,33 $ par euro. Quel est le taux de change des dollars en euros, hasard ou pas, 1,34. Curieux, hein? Sur le Bitcoin, maintenant, une petite prospective. On ne connaît pas le nombre d'utilisateurs de Bitcoin, puisque ce n'est pas fondé sur l'homme. Mais si on tient compte de cette remarque, qui est une remarque purement relativiste, la monnaie ne vaut que par le nombre d'hommes qui l'utilisent. Et je compare le taux de change connu, hein, je peux le vérifier, sur les plateformes d'échange du Bitcoin, par rapport à la masse de dollars par citoyen, et la masse de Bitcoin que je connais, mais je ne connais pas le nombre d'utilisateurs du Bitcoin. J'ai une équation avec combien d'inconnus? Une seule. Est-ce que je peux trouver l'inconnu? Elle doit emmener environ 97 500 utilisateurs, 100 000 utilisateurs. Pas plus. Alors, c'est peut-être 50 000, c'est peut-être 200 000, hein, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Ils ne sont pas 10 millions, quoi. Sinon, leur monnaie vaudrait plus. D'accord? C'est un ordre de grandeur. Hein. Maintenant, si 250 000 signataires d'une initiative citoyenne européenne choisissaient d'adopter une monnaie libre et qu'on fasse le même calcul, leur masse monétaire vaudrait l'équivalent aujourd'hui de environ 15 milliards d'euros. C'est bien intéressant. Est-ce qu'ils auraient à attendre de financer en revenu de base ou est-ce qu'ils ne pourraient pas tout de suite utiliser en revenu de base du coup? Le revenu de base ne finance pas pour le paradigme de la théorie relative de la monnaie. Pour des paradigmes de type ingénierie avec des tuyaux, ça se finance. Surtout dans une monnaie qui n'est pas libre. Mais une monnaie libre, elle ne se finance pas en revenu de base. Le revenu de base, c'est la monnaie. Cette monnaie fondée sur un revenu de base humain, fondée sur l'homme, a été choisie par ces hommes-là pour servir de valeur intermédiaire d'échange entre eux. Et tout comme le bitcoin a pris de la valeur, cette monnaie va prendre de la valeur. Puisque vous allez utiliser cette monnaie, non plus l'autre. Vous allez affaiblir d'autant l'usage de l'autre monnaie puisque vous ne l'utilisez pas. Et vous allez valoriser autant l'usage de la nouvelle monnaie parce que vous l'utilisez.
Donc pour la TRM, il faut être précis, attention. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, méfiez-vous des référentiels. Mais pour la TRM, la notion de financement en revenu de base est parfaitement incohérente. C'est réfuté. Pour une théorie avec des tuyaux, la TRM, c'est un truc qui sort du chapeau. Mais il n'explique pas pourquoi le Bitcoin vaut 8 milliards de dollars, par contre. Moi, je l'explique. Donc, des hommes qui choisissent une monnaie libre financent eux-mêmes. C'est les hommes qui financent l'économie, pas l'inverse. C'est vous, les acteurs de l'économie. C'est pas l'économie qui vous dit quoi faire. C'est vous-même. C'est vous, les patrons. Eh ouais! C'est vous, les patrons, non? Les filles aussi, hein. Un mot. David Chazalbiel, un développeur informatique, m'a contacté en avril, il m'a dit « Ah, j'ai fait ça. » Il m'a fait un truc génial. Apparemment, il s'est intéressé au revenu de base, il a pris la... Ça le gênait un peu parce qu'il ne voyait pas trop, etc. Bon, la TRM, ça lui plaisait bien, il a lu, il a adhéré complètement au truc, et il a compris, disons, et il a créé un site, une page en JavaScript, que je vous conseille vraiment, si vous voulez creuser ce que c'est qu'une monnaie libre, d'aller voir ça. Ça s'appelle la TRM en couleur. Vous tapez ça sur Google, sur machin, la TRM en couleur. Une page en JavaScript qui vous permet de simuler entièrement une monnaie libre et voir comment ça s'évolue dans le temps et par rapport à un individu. L'augmentation de la monnaie ici en quantitatif, mais ici, la non-augmentation, la stabilité complète de la monnaie en nombre de dividendes. Le nombre de dividendes dans une monnaie libre, il est fixe. Et comment un individu arrive rapidement, en touchant son dividende, à la moyenne ici. Il peut aller plus vite si évidemment il fait des échanges économiques. C'est quoi un individu ici qui part de là et arrive à la moyenne? C'est un nouveau-né qui atteint 20, 30 ans, 40 ans. Il a sa copart de création monétaire, il a son revenu de base, il a son dividende qui participe de la monnaie. En tant que nouvel entrant, il est co-créateur de la nouvelle monnaie qui, en quelque sorte, si vous voulez, supplante l'ancienne, tout comme les nouveaux-nés supplantent les anciennes générations. Évidemment, ça se fait petit à petit. D'une année sur l'autre, ça se voit pas. Au bout de 40 ans, ça finit par peser. Le problème est là, c'est au bout de 40 ans que ça se voit. Donc, à voir, c'est vraiment excellent. Ceci. Cette simulation. Autre, alors, voilà. Ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est Sybille Saint-Girons qui a fait ça. C'est la petite dame qui est là. Avec Matthew Slater, qui est derrière, là, c'est un anglais. Ils ont inventé un jeu absolument génial qui s'appelle La Corbeille. Qui a entendu parler de ce jeu? Alors, on a fait une petite vidéo où on a joué là à 5 pendant 3-4 heures, une après-midi à Paris, à La Corbeille. La Corbeille est un jeu qui simule l'économie à base de cartes. On s'échange des cartes et on crée des valeurs économiques comme ça, en essayant de regrouper les cartes. Et on comptabilise cette création par des bonbons ou par n'importe quoi, on compte les valeurs économiques qu'on crée. Ça, c'est le jeu, il est assez simple, il est amusant en plus, il faut trouver avec qui échanger, etc. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, bon, c'est pas la limite de principe du jeu, qui est simple, qui est amusant, mais sans plus, c'est que avec ce jeu, on va pouvoir tester sur ce même jeu plusieurs systèmes monétaires différents. Un, le troc, c'est-à-dire pas de système monétaire. Que l'échange direct. J'ai cette carte, mais j'ai besoin de telle autre carte. Donc on trouve la personne avec qui on peut faire l'échange. Ben, ça marche au troc, et on y arrive. Hein. Mais on crée très peu de valeur économique. C'est très lent. Ça marche, mais c'est lent. Très lent. On teste le même jeu ensuite en changeant la monnaie. Sybille joue le rôle de banquier. On va avoir de la monnaie. Vous allez voir, je vais vous faire crédit, pas cher, avec un petit intérêt. On joue plusieurs tours. On crée beaucoup plus de valeur économique avec le troc, dedans, avec de la monnaie. Beaucoup plus. Par contre, qui c'est qui a le plus de valeur économique à la fin? Eh ouais, il faut le rembourser, les mecs. Eh ouais.
à la fin, c'est lui qui a quasiment tout. Pas tout, hein. Il y a 2-3 gagnants. Et le banquier, il en a beaucoup, effectivement. On peut jouer à ce jeu à partir de 5 jusqu'à 300 à la jouer. C'est bien. Jusqu'à 300 personnes, vous imaginez. Ça fait une belle simulation. Hein. Pour comprendre la différence entre pas de monnaie et une monnaie d'aide, c'est déjà pas mal. Mais mieux que ça, on peut tester après le crédit mutuel. C'est un peu comme la monnaie d'aide. On va créer de la monnaie, sauf qu'il n'y a pas de banquier central, c'est chacun à la même petite part de monnaie. Ça accélère beaucoup plus d'échanges qu'avec le troc, puisqu'on a la monnaie instrument commun qui permet d'échanger des cartes. Donc pendant les mois, parfois on a beaucoup de monnaie parce qu'on a vendu beaucoup de cartes, mais après on peut acheter toutes les cartes dont on a besoin pour faire des valeurs économiques. Ça accélère beaucoup. On crée beaucoup plus de valeur qu'avec le troc. Un peu plus qu'avec la monnaie dette, mais pas forcément beaucoup plus. Par contre, quelle est la répartition des valeurs économiques à la fin du jeu? Elle est homogène. Ça ne veut pas dire égale, mais homogène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre particulier où il y en aurait beaucoup plus qu'ailleurs. Il y en a qu'on a un peu, il y en a qu'on a beaucoup, il y en a pas mal qu'on a la moyenne, mais voilà. Il y a des disparités, mais ça reste acceptable. Et il n'y a pas d'endroit où c'est asséché, en quelque sorte. Et puis enfin, on a testé avec le dividende, parce que le problème des trois premières simulations, c'est qu'on avait vu avec Sybille, alors je l'ai invité sur un podcast Monnaie Libre, je ne sais pas qui connaît le podcast Monnaie Libre, donc vous pouvez, il y a un podcast audio, où Sybille est venue, tiens, bonjour Étienne, je vois qu'Étienne Fort vous a rejoint, je suis ravi, on a fait un podcast audio, où Sybille est venue, et je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, bon, ces systèmes monétaires sont bien là, sont chouettes, mais on ne voit pas comment se succèdent les morts et les naissances, parce que, en fait, les joueurs sont les mêmes au début et à la fin. On joue dans un temps, évidemment, où les joueurs ne meurent pas. Alors le problème, si on fait ça, on ne voit pas sur le long terme, si on ne va pas aboutir à des moments, même avec un crédit mutuel, on a donné ça à chacun, où quelqu'un va stocker la monnaie, où la monnaie va se stocker, si on est 300, dans un endroit précis de l'économie, et puis là-bas, il n'y en aura plus. Or, on a vu avec le troc, ça ne marche pas bien. Voyez-vous ? Donc on dit qu'il faudrait tester aussi, sur long terme, une monnaie à dividende universel. Alors il a fallu créer des règles un peu spéciales, parce qu'on n'allait pas créer 1 milliard d'unités monétaires, voyez-vous ? Donc on a trouvé un système pour jouer avec des cartes limitées, pas de problème, hein, j'ai fait un peu de maths, et après ça a été très simple, les règles sont simples au final. Hein. Et on a testé ça, et on a joué, on n'était que 5, donc on a simulé sur 80 ans, en fait, des individus qui avaient des âges différents, moins de 20 ans, 20-40, 40-60, et puis 60-80. Et à chaque fin de tour, quelqu'un mourait, enfin le plus âgé meurt, et il renaît, en quelque sorte, hein, si vous voulez, et les autres gagnent en âge, voyez. Et chaque tour, donc quelqu'un meurt, sort du jeu, et quelqu'un re-rentre. Et avec le dividende, on n'a aucun assèchement monétaire nulle part, on n'a eu aucune crise monétaire dans notre économie pendant 80 ans. Et on pourrait jouer comme ça, 160 ans et plus. Bon, la fatigue des joueurs pourrait jouer. Bon, avec les morts et les naissances, normalement, les nouveau-nés jouent pas sur la fatigue. Ils reçoivent pas la fatigue de leurs prédécesseurs. Hein. Ils arrivent tout neuf. Hein. Mais voilà. Donc, ça marche bien. On n'a pas vécu une seule crise. Il n'y a eu aucun assèchement monétaire. Il n'y a eu aucune concentration de valeur à la fin. On a fait même une... Alors, on a été très précis. Hein. C'est-à-dire qu'on a mesuré à la fin, y compris les valeurs économiques créées par chacun. Et puis on a montré les cartes types, etc. Et tout ça est homogène. Pardon, comment vous créez des valeurs dans ce jeu, par exemple? Je te conseille de regarder la vidéo. Vous voyez pas la vidéo. Ah ben ouais, mais je vais pas. Il faudrait y passer du temps, etc. Alors justement, il y a d'autres vidéos, conférences sur la théorie relative à la monnaie, si vous voulez approfondir. Parce que là, on a vu qu'un aspect, il y a beaucoup de choses à dire. Mais évidemment, je peux pas tout dire en une heure, même 1h30. C'est impossible. Je vous donne les dernières vidéos les plus abouties que j'ai faites, dernière conférence. Donc, définition du monnaie libre en 2013, l'Ubuntu parti. Donc, Ubuntu, c'est le système qui fait tourner d'ailleurs la présentation qui est là, hein, qui est un système informatique libre. Le quantitatif et le relatif, je vous ai dit, c'est très important. Il ne suffit pas de regarder la vidéo, prenez un tableur et faites-le vous-même. C'est simple, ça va vous prendre, allez, je ne sais pas, une demi-heure. Si vous faites ça, vous allez faire un bond énorme dans la compréhension des nombres relatifs, chose que vous devriez connaître depuis la 5e. Fatigant, ça. Ceci dit, j'avoue que la façon de le percevoir dans la monnaie, c'est nouveau. Je le dis d'ailleurs en préambule de la théorie relative à la monnaie elle-même, le livre, je dis que moi-même j'ai été surpris quand je suis abouti au résultat. J'avais pas d'idée préconçue du tout.
J'avais des idées de ce que ça voulait dire homogénéité, isotropie, des choses comme ça, des choses de des principes de symétrie, si vous voulez. Mais j'avais pas idée, je cherchais, quoi. Et quand j'ai trouvé le résultat, j'étais extrêmement étonné. Je suis toujours étonné de voir à quel point, avec la théorie relative de la monnaie, on peut interpréter la réalité avec des résultats qui tombent juste, quoi. C'est hallucinant. Je vous assure que c'est pas... c'est pas un complot, hein. Alors, à Bruxelles, bon, bien que c'est en anglais, ça a été fait en français, hein, donc c'est Free Software et Free Money. Donc là, c'est un parallèle entre les logiciels libres, justement, et la monnaie. Je vous ai parlé du Bitcoin tout à l'heure, c'est un logiciel libre. OpenUDC Yukon, c'est le logiciel libre. C'est très important que le logiciel soit libre. Un des grands défauts du système monétaire tel qu'il est bâti aujourd'hui, c'est que c'est comme si c'était un logiciel privateur, non libre. Vous ne savez pas qui crée la monnaie, comment, pourquoi, au bénéfice de qui, etc. De toute façon, c'est sûr, c'est pas pour vous. La monnaie, elle n'est pas à dividende universel. Lightspeed TRMView et Lightspeed RNQ. Relatif et quantitatif TRMView. Alors ça, c'est deux vidéos sans commentaire, avec de la musique. J'ai fait ça pour les artistes un peu. Non, mais c'est des vidéos où vous allez revoir un peu les schémas qui sont là. Et la souris essaie de vous montrer des choses pour que vous essayez de vous concentrer dessus, je pense. Pour certaines personnes, je pense que ça peut aider. Enfin, moi, j'ai pris plaisir à les faire. Je ne sais pas si vous prenez plaisir à les voir, mais ça, je vous me dirai. Mais elles sont assez complètes aussi. Hein. Mais sans commentaire, donc c'est faut faire travailler, quoi. Vous voyez ? C'est pour faire travailler aussi la réflexion. À Béthune, j'étais invité à Béthune l'an dernier. J'ai fait une conférence. Là, vous avez d'ailleurs la photo qui est là, c'était à Béthune. Et enfin, monnaie libre et monnaie non libre. Donc là, pour bien faire la différence entre ce que signifie monnaie libre et donc forcément, par contraposer les monnaies non libres, puisque si on sait ce que c'est que libre, on forcément sait ce que c'est que non libre, je viens de la faire au mois de juillet, ici, à Montpellier, aux rencontres mondiales du logiciel libre. Voilà, donc elles se trouvent toutes sur le site créationmonétaire.info. Voilà. Alors, j'ai aussi... Alors ça, c'est... J'ai pris un temps fou pour faire ça, je ne sais pas si ça va être utile. Une petite clé, là, où j'ai dessus, pour ceux qui voudraient, ceux qui ont un PC. Vous pourrez la copier, et puis après, éventuellement, ceux qui sont intéressés. Il y a 5 vidéos qui vous expliquent l'argent de dette. C'est des films connus qui sont sur le net. 5. Dont un anglais où j'ai pris les sous-titres, qui est très bien fait. Voilà. Ces 5 vidéos sont parfaitement bien faites. Vous comprenez l'iniquité des systèmes monétaires, mais alors de A à Z. Et selon 5 angles différents, à la fin, vous avez bien compris, hein. Je vous ai mis 8 textes en PDF. La TRM complet en PDF. La méthode rapide de réalisation d'une monnaie libre. Pour ceux qui voudraient en réaliser une très très vite. La méthode est extrêmement rapide. Pas à lire, hein. À appliquer. Le jeu la corbeille avec les règles. Et des textes aussi sur G libre. Donc des textes sur les G valeurs, le G travail et ce genre de choses. Qu'est-ce que sont les G valeurs et les G travail? Ben, c'est justement les valeurs et le travail que vous ne pouvez pas connaître. Ce qui réfute toutes les notions de valeur de référence. En relativité, il n'y a pas d'autre valeur de référence que la monnaie. C'est la seule valeur commune. Tout autre point de vue est un point de vue non relatif. Autrement dit, on dirait en physique, c'est un point de vue newtonien. Et pas einsteinien. C'est vous qui voyez. 5 podcasts de monnaie libre que je vous ai mis. Alors évidemment, ils sont tous sur le net, hein. Vous pouvez aussi les avoir, mais là, ils sont sur la clé. Un sur qui parle de la théorie relative de la monnaie, un sur OpenUDC, donc, un sur Yukon avec les fondateurs de ces logiciels. C'est pas moi le fondateur. Le fondateur d'OpenUDC, c'est Gibar, Jean-Jacques Brucker. Le fondateur de Yukon, c'est Cédric Moreau. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes informaticien, allez pas les importuner si vous n'êtes pas informaticien. Mais si vous voulez les aider, ou si vous voulez participer ou en savoir plus que vous êtes informaticien, il faut les contacter eux. Bon, je peux en parler moi aussi, mais bon, on n'est pas tout seul, quoi. Je veux dire, c'est eux les fondateurs sur tous ces projets-là, c'est eux les mieux placés pour en parler. Je suis contributeur, moi. Comme d'autres. Il y a d'autres contributeurs. Il y a Janer Kandan, il y a Inso, il y a tout un tas de gens. Mais les fondateurs, c'est eux qu'il faut contacter en priorité. L'informatique, c'est une chose, la théorie, c'est une chose, et l'informatique, c'en est une autre. Et évidemment, Yolande Bresson. Podcast aussi avec Yolande Bresson,
qui je le regrette devait être là aujourd'hui, d'ailleurs il n'est pas là. Je rends un hommage à Lambrisson qui a accepté de préfacer la TRM sur une proposition d'Olivier Aubert qui est là. Vous connaissez Yolan sans doute, hein, qui ne le connaît pas. Hein. Yolan Bresson, si vous voulez avoir une approche proche de la TRM et qui n'est pas tout à fait la TRM, il faut lire La valeur temps de Yolan Bresson. C'est très proche, mais ce n'est pas la TRM, parce qu'il est quand même basé sur une notion de création de valeur de type PIB, etc., où je vous ai dit qu'on réfutait toutes les valeurs, pour bâtir une monnaie libre. Yolan, quand il a créé sa théorie, il était dans les années 80, il a utilisé les mots que les gens pouvaient comprendre à l'époque. Il ne faut pas croire que Yolan n'a pas compris la TRM, il a parfaitement compris, je suis sûr qu'il a compris depuis même les années 80 et avant. Simplement, il a choisi des mots, une façon d'expliquer qui était adaptée à son époque. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'en lisant la TRM, il a compris tout de A à Z en le lisant. Il suffit que... Moi, j'ai vu les calculs qu'il a fait dans la valeur temps, les équations de champ, tout est bon. Il a parfaitement compris. La valeur temps d'Yolan Bresson est basée sur l'homme. Après, il fait un calcul approximatif, lui, avec le PIB. Nous, on fait un calcul ici précis, qui dépend de l'espérance de vie, et qui est non ambigu, non arbitraire. Chaque génération aura exactement la même part de monnaie. Et donc, ils choisiront de développer les valeurs économiques qu'ils ont choisi de développer. Les morts n'ont pas à dicter leur conduite aux vivants. Thomas Paine est 1795. Il est mort. Excellent remarque. Donc les 8 vidéos de conférence de la théorie relative de la monnaie complète, la simulation est aussi sur la clé de JavaScript, de la TRM en couleur dont je vous ai parlé, et puis la présentation qu'on vient de faire ici aussi se retrouve sur cette clé, vous voyez, tout y est, tout est dedans. Fin, pour plus d'informations, si vous voulez creuser la question, creationmonétaire.info. Le livre il existe aussi en format papier, je n'en fais pas la promotion, je ne cherche pas à le vendre, simplement je vais le proposer en format papier pour ceux qui veulent encore utiliser un format papier comme notre ami Étienne Chouard qui ne peut pas s'en passer. Mais ce n'est pas une absolue nécessité. Voilà. Ça existe en PDF, vous pouvez le télécharger. Voilà. Il est sous licence libre. La théorie relative de la monnaie est sous licence libre. Par principe, je crois qu'il serait incohérent. Que c'est tentant, mais c'est pas une bonne idée. Mais il serait incohérent, justement, de parler d'une monnaie libre en essayant d'en faire un business. En fait, ça, c'est... J'essaierai d'obtenir quoi ? De la monnaie non libre telle que l'euro ? Enfin, c'est pas sérieux. Bon, pour la monnaie libre, donc, il vaut mieux pas. Après, pour le reste, on fait avec ce qu'on a. Mais pas pour la monnaie libre. Donc, creationmonétaire.info, qui est sous licence libre aussi, CC BY SA, ça veut dire que... Vous connaissez les licences libres ? Creative Commons by SA, c'est-à-dire vous citez simplement le site et vous gardez la même licence. Pour citer un texte, le reprendre, etc. Il n'y a pas de copyright. C'est pas un copyright privateur, c'est un copyright permissif. Vous avez le droit de, explicitement. Voilà, et des images de Open Clip Art pour leur faire un peu de promo et de Wikimedia. Voilà, c'est fini. Bravo. Merci. Voilà, alors je sais pas maintenant si vous avez. On a encore un peu de temps, donc si vous avez des questions. Comment tu t'appelles ? Stéphane. Stéphane d'abord. C'est ça la question ? D'accord, oui. Le temps que les logiciels soient créés, mettons dans 3 mois, soyons optimistes, les logiciels sont fin prêts. Admettons, oui. X milliers d'Européens décident d'utiliser ce logiciel avec, en donnant un nom à cette monnaie, quelle qu'il soit, oui, c'est ça. Et d'utiliser dès à présent. Oui. Ils touchent dans cette monnaie un revenu de base. C'est ça. Et peuvent échanger entre eux avec cette monnaie. Exactement. Et elle va prendre de la valeur au fur et à mesure que plus de gens vont l'utiliser. Exactement. Et que plus d'échanges seront faits avec. Comme le Bitcoin. Et à terme, imaginons, c'est le monde parfait, donc dans 10 ans, l'euro ne vaut plus rien parce que tout le monde utilise cette nouvelle monnaie. Le revenu de base qui est touché avec permet d'assurer une subsistance. Admettons quelqu'un qui veuille être oisif, est-ce qu'avec cette monnaie, il arrive à se payer son oisiveté ou pas ? Parce qu'il doit quand même... Excellente question à laquelle je vais apporter une excellente réponse. La notion de suffisance, c'est pas relativiste. Imaginons deux îles. À expérience de pensée, nous avons deux îles, avec le même nombre d'hommes dessus, les mêmes conditions climatiques, etc. Tout est semblable.
2. Les deux ont une monnaie libre. Pareil, tout pareil. Sur une île, pour des raisons qui les concernent, ces hommes-là ont décidé de travailler, créer des valeurs économiques. Et ils se les échangent avec cette monnaie libre. Sur l'autre île, ils ont décidé de ne pas travailler, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils se gueulent dessus, ce que vous voulez, mais pour une raison X ou Y, ils ont décidé de, à cause du péché originel, Ève n'a pas monté la pomme ou je ne sais pas quoi, de ne pas travailler, de ne pas créer de valeur économique. À ton avis, dès que les conditions soient les mêmes, exactement, qu'est-ce qui va se passer entre les deux îles? Est-ce qu'il y en a un où le revenu de base sera suffisant et pas l'autre? Donc ne pas confondre la monnaie et les valeurs qu'on peut... Ne pas confondre, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la monnaie et la valeur économique. Ce sont deux choses différentes. Alors, un des problèmes, d'ailleurs, des approches pré-relativistes, dans les temps anciens, là, quand les hommes ne réfléchissaient pas trop... je plaisante, bien sûr. Mais dans le terme de revenu, notamment, ou dans le terme d'argent, que j'essaie d'éviter de prononcer au maximum, il vaut mieux parler de monnaie, parce que l'argent, c'est un métal, hein, voilà. Je ne reviendrai pas là-dessus, bon, bref. Donc, monnaie, valeur économique. Dans les termes de revenus et d'argent, dans l'ancien temps, les gens mélangeaient, croyaient qu'il y avait identification entre revenus et mesure de ce revenu. Or, la mesure dépend de la monnaie. La métrique en physique dépend de la métrique de référence que j'ai choisie. Est-ce que j'ai choisi la vitesse de la lumière ou est-ce que j'ai choisi la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre? C'est pas du tout pareil. J'ai pas le même univers à la fin. C'est pareil pour la monnaie. Si je choisis telle ou telle monnaie, si je choisis l'or comme valeur de référence, une maison, la valeur coiffeur, pour faire référence à notre ami Étienne, la valeur je sais pas quoi, machin, j'aurai pas le même champ économique projeté. J'aurai pas les mêmes images. Et j'aurai pas les mêmes images, j'aurai pas les mêmes réflexes. J'aurai pas les mêmes réflexes, j'aurai pas la même économie. J'aurai pas le même champ. Qui plus est, les hommes sont libres. C'est pas parce que j'ai choisi moi un référentiel que j'oblige les autres à le faire. Une monnaie libre ne s'impose pas. Elle se choisit ou elle se choisit pas. Le bitcoin, par exemple, il n'imposerait à personne. C'est pas une monnaie libre. Mais au moins, c'est une valeur économique libre. On n'est pas obligé, mais on peut. C'est plus lent, c'est plus difficile, mais ça ne s'impose pas. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Dans ton modèle, j'ai cru comprendre que les prix évoluaient. Mais forcément, les prix évoluent, mais de tout ça. Ça, c'est normal. Les valeurs économiques... ça dépend ce que tu as. Les prix de quoi? Les prix en soi, ça ne veut rien dire. Les prix de quoi? Si tu me parles, par exemple, du prix d'une maison... Ça vaut un certain prix aujourd'hui. Ça ne valait pas le même prix avant. Ça dépend de la quantité de monnaie, notamment. Ta maison n'aura pas le même prix si j'ai 1 million de monnaie que si j'ai 1 milliard de monnaie, dans la même zone économique, avec les mêmes hommes, etc. Ça n'aura pas non plus le même prix, ça dépend si la monnaie est dans les poches des gens ou pas. Parce que je peux avoir 1 milliard de monnaie qui est tout dans un coffre, ça ne changera pas le reste de l'économie. Ça dépend comment est répartie cette monnaie. Mais pas que. Dernièrement, en Chine, un entrepreneur a démontré qu'il pouvait fabriquer une maison avec une imprimante 3D en 2 jours. A ton avis, il va se passer quoi sur le prix des maisons? Est-ce que ça dépend de la monnaie? Ça dépend de G libre de X, qu'on a vu tout à l'heure. Il peut se passer n'importe quoi. Un inventeur génial peut trouver un truc de main qui va bouleverser tout. Ça n'a pas de rapport avec la monnaie, ça. Non. C'est en rapport avec l'inflation et la déflation. Dans ton modèle, c'est ni déflationniste ni inflationniste. Donc, il n'y a aucune raison que les prix. Si, mais si, parce que. Alors, mais non. Effectivement, tu as raison. La monnaie ni inflation. Ça, c'est juste, pour la monnaie. Mais les valeurs économiques changent, elles. Les hommes changent, ils sont remplacés par des nouvelles monnaies, et ils créent des nouvelles valeurs économiques. Ils délaissent les anciennes, on ne fabrique plus de fiacres. Et ils créent des nouvelles, on fabrique aujourd'hui des automobiles. On va peut-être délaisser les logiciels privateurs et utiliser plus les logiciels libres. Et demain, on va peut-être délaisser des valeurs qu'aujourd'hui on utilise pour des nouvelles valeurs dont on n'a pas idée encore, puisqu'elles sont en train d'être créées dans des garages par des gens qu'on ne connaît pas. Et ça va changer, ces valeurs seront plus produites, parce que les clients, les autres hommes, vont choisir ces nouvelles valeurs au détriment des anciennes. Ça va changer le marché. Et oui, ça va le changer. Pas forcément le prix des choses. Mais les choses ont changé. Oui, donc comment veux-tu comparer le prix de choses? On fixe le prix d'une chose, on le fixe politiquement, si tu veux. Ah non. Ah non. Tu crois que tu peux le faire? Bien sûr que je peux le faire. Tu
peux le faire dans une certaine mesure, pendant une certaine période, pas à long terme. C'est quoi long terme, par exemple? Long terme, là, on parle de l'espérance de vie. On a parlé de durée de l'ordre de 40 ou 80 ans. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Effectivement, tu as raison aussi, une collectivité humaine peut choisir de mettre à disposition des services publics et en fixer, effectivement, un prix, etc. Mais in fine, si une révolution, une innovation, exemple typique, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, le Minitel, invention étatique, fixer le prix par France Télécom, etc., Internet, terminé. Minitel, caput. Ça te va, ça? Ben, ça veut dire que pendant une certaine durée, l'État a pu développer une valeur économique en fixant le prix, le Minitel, un réseau informatique, et du jour au lendemain, en 15 ans, une innovation pas du tout étatique l'a mis par terre. Mais où l'État a fixé le prix de l'Internet? Jamais. C'est pas l'État qui fixe. Ah ben, tu dis on peut politiquement... Démocratiquement. Eh ben, oui, ben... Non, c'est pas très oui, alors démocratiquement, utilisateur, oui, ben, ça s'appelle... C'est des effets de marché. Ouais. Mais ça se prédit pas, ça on sait pas, on n'en sait rien. Quand un entrepreneur crée une nouvelle valeur, il espère que les gens vont l'adopter, mais il n'en est jamais sûr. Hein. D'accord? Une autre? Étienne, oui? Oui, Olivier. Il y a monsieur là qui demande depuis tout à l'heure. À 80 ans, quand un individu meurt, que devient la monnaie qu'il avait accumulée? Eh bien, sans doute, elle va à ses héritiers. Elle va à ce... À ses héritiers. La monnaie est une valeur économique comme une autre. Mais une masse monétaire qui augmente en permanence. Non, on a vu qu'en relatif, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Mais là, c'est... Tout à l'heure, on a vu ça dépend de ton référentiel. Tu es d'accord? On a vu les différents référentiels. Je ne vais pas le refaire, si? Non. Ouais, mais je l'ai. Non, mais je reviens dessus un peu. Là. En nombre de dividendes, ça ne bouge pas. Il ne peut pas y avoir ni inflation ni déflation. Le nombre de dividendes à masse monétaire ne bouge pas. C'est une comptabilité relative. La taille de l'univers ne change pas. C'est 15 milliards d'années-lumière. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 15 milliards d'années-lumière, la lumière ne peut plus être émise. C'est la taille de l'univers visible, en fait. Hein. Il y a un décalage vers le rouge du fait de l'expansion de l'univers. La lumière, plus elle est émise de loin, plus elle est, moins elle est visible, en fait. D'accord? Et au-delà d'une certaine limite, ça ne passe plus. Donc la taille ne change pas. Les choses changent à l'intérieur, mais la taille ne change pas. C'est difficile à percevoir. Il faut le travailler, ça, hein, mais c'est, je vous assure que ça marche. Oui, Olivier, Étienne, d'abord. Après, Olivier. Je vais mettre en jeu tout à l'heure. Avant de partir, est-ce que, si j'ai bien compris, n'importe qui peut... créer et utiliser une monnaie libre. Bien sûr. Et dans ton esprit, c'est plutôt comme ça que tu la verrais naître et puis se développer par contagion. C'est pas dans mon esprit. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, il n'est pas dans mon esprit. Pardon. Ou alors j'ai un esprit très large. Mais... Il ne respecte pas la TRL. Non, non, bien sûr. Mais oui, oui. Alors, ma question, c'est celle-là. Est-ce que si en discutant entre nous, en trouvant que c'est quand même une idée géniale, que c'est quand même c'est une bonne idée, c'est un truc qui devrait bien marcher, est-ce que ça te paraît imaginable qu'on soit très nombreux à dire c'est ça qu'on veut et on l'écrirait? Alors je sens bien que ça ne va pas plaire que un groupe décide de l'imposer aux autres parce que ce n'est pas l'esprit du truc. Mais en même temps, si on décide, imaginons pour l'instant qu'on soit dans une commune, on fait consensus, on est d'accord. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas convaincus mais qui ne sont pas opposés. Donc on y va. Dans une commune, comment est-ce qu'on l'écrirait? Est-ce que ça te paraît imaginable? Demain, on va faire un atelier constituant sur comment on institue nous-mêmes le revenu de base, comment on écrit, avec quel mot on écrit le revenu de base, ou le salaire à vie, ou le dividende universel. Est-ce que tu as une idée des mots que tu utiliserais? Et d'abord, est-ce que c'est possible dans ton esprit de mettre dans une constitution, et avec quelle marge de manœuvre tu laisses aux gens, les prochains vivants, de remettre en question? Mais est-ce que ça te paraît imaginable d'écrire, de fixer ça avec des mots dans une constitution? Ou bien est-ce que je déconne? Et si oui, est-ce que demain matin, tu es là?
pour demain, mais même pour hier, c'est pas que je voulais pas être là. Je joue championnat de France d'échecs à Nîmes. Hier, aujourd'hui c'est mon jour de repos, et demain je joue. Donc je pouvais être là qu'aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est mon excuse, pour ça s'est réglé. Mais c'est pas un manque de volonté de ma part, hein. Je serais venu les trois jours si j'avais Alors, effectivement, ta question effectivement, remet en question en fait la première des quatre libertés économiques. La TRM définit quatre libertés économiques. La première, c'est que la monnaie ne s'impose pas. Donc effectivement, mais on pourrait questionner la constitution devant la liberté aussi. Parce qu'effectivement, une constitution s'impose plus ou moins. J'ai pas d'idée définitive là-dessus. Ce que je peux dire, par contre, j'ai des idées, mais ça sera un peu long à détailler maintenant ici, hein, d'accord ? Et ce que je peux dire, c'est que, bien entendu, les gens qui vont adopter, ou les gens, pour prendre encore une fois l'exemple du Bitcoin, pour dire que je suis pas en train que de rêver, avant que le Bitcoin existe, j'avais beaucoup de mal à parler de tout ça. Maintenant que les gens connaissent le Bitcoin, au moins, je peux vous montrer par l'exemple réel que c'est ça qui se passe. Ils ont décidé de la développer. Il n'était pas sûr, que les autres gens allaient adopter ou pas cette monnaie. Bon, il se trouve qu'elle a été adoptée. Ça a été calculé, pas calculé, j'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, c'est le cas, ça marche. Bon, voilà. Et les gens l'ont adopté. Et ça, ils ont forcé personne, et personne ne les a forcés non plus. Pour une monnaie libre, ça ne s'impose pas. On peut la choisir. Après, effectivement, on peut être 64 millions et choisir une monnaie libre. Ceci étant dit, il y a des contraintes de confiance qui font qu'il y a des tailles maximales aux communautés humaines. Il y a une chose, le Bitcoin aussi, il circule avec l'ordinateur et on peut l'échanger avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Alors qu'avec un revenu de base... Le Bitcoin n'est pas libre. Il n'est pas fondé sur les hommes, donc effectivement, il a des particularités spéciales. Mais c'est pas... Depuis la TRM, il n'y a pas de problème avec le Bitcoin. Le Bitcoin est une valeur économique. C'est pas une monnaie libre. C'est une monnaie non libre, si on veut, comme l'euro. Monnaie non libre, puisque pas fondée sur un dividende. Donc c'est pas les hommes qui sont co-créateurs de la monnaie. C'est quelques hommes qui décident de valoriser les choses. C'est très différent. Et donc une monnaie libre ne peut pas s'imposer et ne pas être créée sur les hommes. Point. Voilà. Donc à partir de là, ça peut pas a priori s'écrire quelque part en tant que règle générale qui va être adoptée par des hommes qui ne l'ont pas choisie. Sinon, c'est plus une monnaie libre, c'est autre chose. Même si c'est une monnaie où il y a un dividende, etc., machin, mais que dire, bon, mais voilà, il faut utiliser ça et c'est pas autrement, ben vous n'êtes pas dans le cadre d'une monnaie libre. Tu parlais de la taille, c'est intéressant, ça. Oui, ben la taille, alors en fait, c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer d'ailleurs dans les projets OpenUDC Yukon, et ils commencent à comprendre ça, parce que le problème, c'est que j'explique tout d'un coup, ça ne suit pas. J'ai le droit de rigoler un peu aussi. Il y a une notion de toile de confiance, et en fait, les gens se reconnaissent soit directement, dans ce cas-là, la confiance est maximale, je te connais, donc je peux avoir confiance en toi, parce que ben, je sais comment tu es, ce que tu es depuis longtemps, etc. Je sais que tu voles pas, tu tues pas, etc. Bon, voilà, donc j'ai confiance en toi. Ou je peux avoir confiance en des gens qui sont des gens en qui toi, tu as confiance aussi. Mais peut-être qu'à trois, ça va être plus dur. Si c'est quelqu'un qui est connu, vous voyez ? Donc plus je m'éloigne, plus ma confiance diminue. Je peux avoir des doutes. Ma confiance peut s'étendre, bien sûr. Mais peut-être que s'il se passe des trucs, ça, elle va diminuer. Voyez-vous ? Il peut y avoir des effets comme ça de contraction ou d'expansion de contraction. Donc il y a une taille maximale au-delà de laquelle ça ne marche pas. Et notamment une taille maximale qui dépend de l'espérance de vie. Vous n'avez pas le temps, en 80 ans, de connaître un nombre de personnes conséquents. Ce temps de vie limité vous limite les contacts que vous pouvez avoir aussi. Pour autant, ça n'empêche pas des communautés humaines de s'organiser en groupe, de taille où la confiance reste gardée, et ces groupes d'interagir entre eux selon des protocoles bien établis. C'est un peu ce qui se passe à l'échelle mondiale quand on voit les pays... Mais voyez qu'il y a des pays qui s'effondrent. L'URSS s'est effondré en quelque sorte. Bon, c'est un pays un peu artificiel, parce que c'était un nom, mais... Vous voyez qu'il y a des tailles au bout desquelles ça commence à craquer, quoi. La fameuse tour de Babel. Tu l'évalues à combien de membres, en fait ? Je ne l'évalue pas, je ne veux pas entrer là-dedans, parce que je ne vais pas... Non, mais si je dérive, là, déjà, vous avez vu, là, c'est compliqué. Donc, on va... Hein ?
On pourrait faire, mais là il faudrait y passer un temps fou, quoi, parce qu'il y a énormément de, il y a des démonstrations à faire. Tu reviens l'année prochaine ? C'est long, si ça a lieu, sans doute, oui. C'est des démonstrations qui sont disponibles parfois ? Ce genre de démonstration, par exemple, tu parlerais pour expliquer ça ? Ouais, je me concentre sur les monnaies libres. Je parle des monnaies libres, c'est déjà un sujet suffisamment pointu. Je pourrais dire des choses, mais c'est pas, je peux pas dire tout sur tout, non plus. Il y a des gens qui traitent de ce sujet-là, qui sont beaucoup plus compétents que moi. J'ai des idées, mais ces idées sont trop éloignées de ce sujet-là pour que je me concentre sur ce sujet-là. C'est déjà pas mal. La monnaie, c'est costaud quand même. Hein. Vous voyez bien que ça attire du monde. Hein. Et vous, le revenu de base, vous voyez bien que ça touche les cordes sensibles. Hein. On est d'accord. Vous le voyez avec les gens qui ne connaissent pas le concept. Bon, ben, c'est pareil pour la monnaie libre. Hein. Ça touche des choses. Oui, Olivier, voilà. À ton avis, comment se fait-il que la Terre puisse avoir certaines vertus prédictrices sur l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'est pas fondée sur une monnaie libre ? Qui ? Ah, pourquoi la Terre ? Mais oui, justement, alors, il y a deux façons, effectivement. Quand on a un système, répétez la question. Comment se fait-il que la TRM puisse dire des choses sur l'économie qui n'utilise pas une monnaie libre ? La TRM dit que si vous n'utilisez pas une monnaie libre pendant un certain nombre de temps, ça finit par provoquer des révolutions, des insurrections et des guerres. Parce que ça crée des différentiels. Il y a deux façons d'analyser l'action sur un système. Il y a l'action positive et l'action négative. Faire ou ne pas faire. Si j'injecte la bonne dose de sang depuis le cœur dans le corps, hein, je fais simple, hein, je ne suis pas médecin en plus et tout, donc ne me prenez pas la tête avec ça. J'essaie de prendre un exemple à peu près simple. Si j'injecte suffisamment de sang dans le corps par le cœur, que ça tourne bien, etc., le corps fonctionne à peu près bien. Si je ne le fais pas ou que j'en injecte pas assez, je risque de tomber malade. Je risque même d'avoir besoin d'une aide sanguine extérieure, etc. Sinon, je vais mourir. D'accord ? Si vous ne mettez pas la bonne dose de monnaie pendant un certain temps dans l'économie, vous finissez par créer des dépressions, ou des inflations, des désordres économiques qui vont provoquer des insurrections, des révolutions, des guerres. Le fait de ne pas appliquer une monnaie libre dans une économie finit par créer un différentiel négatif à terme. Inversement, là où la monnaie est proche d'une monnaie libre, c'est-à-dire qu'elle est à peu près injectée, elle a été à peu près injectée de façon plus ou moins homogène et uniforme dans une zone donnée pendant un temps suffisamment long, l'économie est à peu près stable. Bon, évidemment, si la monnaie n'est pas libre, elle sera moins stable que si la monnaie était libre. D'accord ? Oui ? Je posais ma question autrement, très court. À chaque fois que je t'écoute, je trouve ça extrêmement stimulant, mais c'est l'aspect relatif qui m'intéresse, plus que l'aspect libre. Est-ce que ta monnaie qui permet de calculer le bon dividende, qui va nous permettre d'être juste en respectant les générations à venir, tout ça est absolument original et stimulant. Est-ce que ça a absolument besoin que ce soit libre ? Je reviens, c'est une autre façon de poser la question, c'est est-ce qu'on pourrait imposer, voyant que ça marche, et que si on le fait en respectant la relativité, et donc l'objectivité et la justice, si on le fait sans que ce soit libre, est-ce que c'est condamné ? Non, mais alors, non, c'est pas. Non, mais moi je condamne rien. Je prône rien. J'ai vu sur le site, Stéphane Labour prône un revenu de base par création monétaire. Je vous expliquais qu'il n'y avait pas de création monétaire. Deux, je prône rien, faites ce que vous voulez. Trois, bien sûr, tu peux. À la place d'une monnaie non libre telle que l'euro, une monnaie réserve fractionnaire, utiliser à la place une monnaie non libre à dividende universel. Est-ce que pour autant tu dois empêcher ceux qui le souhaitent de développer leur propre monnaie libre ? Ça, c'est politique. C'est non, mais je te pose la question. À l'inverse. Est-ce que toi, tu vas empêcher ceux qui veulent une monnaie libre de la faire ? Parce que moi, j'ai pas confiance dans ton truc, là. Ben oui, parce que, je vous explique. Non, mais mon dividende, il est proportionnel à la masse monétaire. Si j'ai pas entièrement la main dessus, si je sais pas qu'il est entièrement décentralisé, à code ouvert, que tout le monde peut contrôler, qu'il n'y a pas eu de triche, etc. C'est ce qui est possible avec le Bitcoin. C'est ce qui sera possible avec une monnaie libre aussi. Si j'ai pas tout ça, donc c'est une monnaie qui s'impose, etc., on peut créer de la monnaie cachée. Si je peux créer de la monnaie cachée, je dévalue d'autant mon dividende. C'est plus 10%, ça va être 5, voire 2. Vous avez vu ce qu'on a vu avec le revenu de base tout à l'heure. Si on regarde en proportion la masse monétaire, il a baissé, bien qu'en quantité, il avait monté.
Parce que derrière, évidemment, si vous créez 10 fois plus de monnaie alors que vous avez dit, oh, ben, on va l'augmenter de 5%, mais on a créé de 100% de plus de monnaie, votre dividende n'est plus libre. Il ne respecte plus les générations. Vous comprenez ? C'est ce qui va inspirer la confiance, même Ah, mais on peut écrire que les citoyens ont le droit d'utiliser la monnaie de leur choix. C'est possible, ça. Oui. Alors, justement, oui, je propose de vous conseiller, si on met dans une constitution, de dire qu'il est interdit d'utiliser une monnaie non libre, par exemple. Ça voudrait dire que tu dis on n'utilise que la monnaie et pas du tout les valeurs économiques. Tu vois, tu peux pas empêcher un homme de calibrer tous ses prix en lingots d'or s'il a envie de le faire. Ou tronquer. Il a choisi sa monnaie. Il peut très bien utiliser la monnaie non libre, mais son esprit, c'est pas une monnaie, il l'utilise pour autre chose. Et tu vas pas transformer l'esprit des gens, faut dire, t'es pas chez Big Brother, là. Tu vois ? Voilà. Maintenant, est-ce que ça empêche une collectivité humaine à la taille d'une commune ou autre chose ? Parce que pourquoi penser spatial ? Parce qu'une commune, une région, un État, c'est spatial, c'est déterminé par des frontières. Mais aujourd'hui, la communauté des gens qui font du logiciel libre, elle n'est pas spatiale. Hein. Elle est insinuée partout. Hein. Les mecs, ils sont partout. Ça ne les empêche pas de travailler ensemble. Ça ne les empêche pas d'avoir des règles communes ensemble, de faire des événements ensemble, que ce soit dans n'importe quel endroit du monde. De fabriquer des logiciels qu'ils vont utiliser partout où ils se trouvent. De proposer et vendre des valeurs économiques entre eux. Ils forment une communauté qui n'est pas spatiale. Ils n'ont pas écrit une constitution préalablement pour ça. Ils ont mis en place des tas de règles. Ça peut être même des règles non écrites, mais la métiquette, tout ça, il y a quand même des tas de règles. C'est pas, oui, mais c'est pas du tout figé comme peut l'être une constitution. Ouais, une constitution, c'est pas forcément figé. Oui, bien sûr, mais c'est pas, il n'y a pas d'obligation a priori de signer en bas pour dire j'accepte de suivre ces règles-là. Ça passe pas comme ça. Si quelqu'un est très brillant en informatique, même si par ailleurs il est un peu pénible sur son terrain de bord, c'est pas grave, on le prend. Et que même s'il ne respecte pas certaines règles, on va le prendre parce qu'il est très brillant et au final on y trouve notre compte. Donc ça se fait de façon beaucoup plus informelle que ça, ça change en permanence et c'est pas écrit. Ça ne veut pas dire que moi je dis pas qu'il ne faille pas qu'il y ait une constitution, je dis pas ça, hein. Je dis simplement que c'est pas la seule façon de penser les organisations. Mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, encore une fois, parce que c'est loin du sujet. Et moi, je préfère me concentrer sur ce sujet-là. En tout cas, quelles que soient les autres modalités qu'on mette autour, en constitution, etc., tout ce qu'on peut penser, ça n'enlève rien à ce qui a été dit là. Rien. C'est indépendant. Monnaie libre peut exister indépendamment de tout ce que vous mettez autour. Non, c'est pas qu'elle peut. Elle existe. Elle va exister indépendamment de tout ce que vous mettrez autour. Je ne veux pas vous demander votre avis. Ouais. Vous pouvez remplacer le revenu de base par une monnaie locale. Non, c'est pas ça. Tu peux développer une monnaie locale qui soit une monnaie libre. À condition qu'elle intègre un dividende universel qui est proche de la valeur normale pour assurer la symétrie temporelle. De façon à ce que les prochains utilisateurs de la monnaie locale, qui vont venir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, aient reçu tout le long de leur présence dans le système la même part de monnaie que les anciennes. C'est possible. Monnaie locale signifie pas monnaie non libre. On peut avoir une monnaie locale, y compris libre. Donc, avec un dividende. Oui ? Ah, je comprends pas. Quoi donc ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Les 500, imaginons à la fin de l'année 1, là. Les 500 qui sont les dividendes. Oui. Le dividende en termes quantitatifs. Parce que le relatif, c'est simple, ok. Le quantitatif, oui. Les 500. Est-ce qu'il y a une instance qui va les redistribuer ? Enfin, comment ça se passe, cette question de la création, par l'utilisation ? Alors, avec les logiciels libres, alors, c'est... Tu veux voir Internet comment ça fonctionne ? Ouais. Donc les ordinateurs sont interconnectés et en fait il n'y a jamais de panne. Mm-hmm. Bon. Et dans Internet, tu peux créer des sous-réseaux informatiques qui font partie d'Internet. Mm-hmm. Ces sous-réseaux informatiques qui sont contrôlés par ce qu'on appelle un logiciel. Mm-hmm. D'accord ? Et ces logiciels, pour communiquer entre eux, ils utilisent ce qu'on appelle des protocoles, des façons de s'envoyer des signaux de fumée. Grand pied malade parle à bison futé. Voilà. C'est exactement ça, en fait. Hein. Les logiciels se parlent comme ça. Ils ont des protocoles, et il y a des chiffrements, etc., des vérifications que c'est bien le bon logiciel qui parle, etc. En fait, tout ça est très sécurisé. Et qui forment un réseau qui ne s'éteint jamais. Et ce logiciel intègre dans son ADN, si tu veux, c'est compris dans l'ADN du logiciel, dans son code génétique, si tu veux, dans sa structure en mathématiques, il intègre la création du dividende et sa répartition dans les membres. Les membres eux-mêmes peuvent rejoindre le système par un ensemble de règles qui ont été définies au départ.
sous de l'optimisme. Ok. Mais alors, parce que vous dites que le code est libre. Oui. Mais il n'est pas libre d'être changé, alors. Non, c'est-à-dire que le réseau, une fois le code établi, ne peut pas changer. Le Bitcoin, par exemple, le code ne changera pas, c'est fini, parce que c'est verrouillé. Mais tu peux prendre le logiciel Bitcoin, le modifier parce qu'il est libre, et créer une autre monnaie avec. Okay. Les monnaies qu'on a vues tout à l'heure, les autres types de monnaies, c'était parce qu'ils ont copié le code, ils ont créé, mais ils ont créé une autre monnaie. Ce n'est pas le Bitcoin, c'est d'autres monnaies. Pardon ? C'est comme une bouture, quoi. Enfin, voilà, Oui, c'est pas tout à fait une bouture, parce que ces monnaies sont indépendantes du Bitcoin. Il y a le Frightcoin, le Litecoin, le Dogecoin, enfin bon, il y en a plein. Et quand quelqu'un dit, imaginons que là, on sort du réseau des informaticiens qui savent s'introduire dans un réseau, ça veut dire que quand quelqu'un naîtra, il sera introduit dans ce réseau. Quand on naîtra, attention, parce que oui, alors là, il y a la naissance, l'enfance, etc. Bon, c'est délicat, ces trucs-là. Ouais. On peut supposer que c'est les majeurs qui rentrent. Ou sinon, c'est les parents, etc. Mais en fait, l'entrée dans un réseau se fait, effectivement, de façon libre. Mais on ne rentre pas comme ça uniquement parce qu'on veut. On doit être reconnu par les membres du réseau. Il y a un système, en fait, de reconnaissance décentralisée. Aujourd'hui, pour que tu sois reconnu par l'État, tu as passé des étapes, en fait. Ah oui. T'as un acte de naissance, et puis maintenant, même aujourd'hui, quand l'État veut communiquer avec toi, il te demande des factures, des machins, des trucs. Bon, mais c'est un peu la même chose, sauf que ici, c'est décentralisé. Ce sont les membres existants de la monnaie qui vont reconnaître un candidat membre entrant. D'accord ? Mais le candidat membre entrant n'est pas obligé de passer par ces personnes-là. Il peut choisir plein de personnes possibles. Ça voudrait te dire qu'il y aura quand même un ensemble de règles. Il y a des règles, oui, tout à fait. Voilà, qui relient tous ces membres. Donc, il y a une certaine forme de centralisation. Il y a une certaine façon. C'est la cooptation. Puisque si un ensemble de règles est admis par toute une communauté, quel que soit l'endroit de l'existence ou même le temps de cette communauté, il y a quand même... Bah, mais c'est pas seulement le code, la possibilité de rentrer. C'est pas seulement de détente. D'accord, ok, le code existe. Mais une fois, pour pouvoir utiliser le code... Je veux dire, si moi je ne suis pas informaticienne et que je veux pouvoir intégrer cette monnaie, je ne vous saurais pas utiliser le code. Mais comment on va pouvoir nous permettre d'utiliser le code ? Non, mais toi en tant qu'utilisateur, tu auras, pour simplifier, tu dis voilà, moi j'aimerais rentrer dans la monnaie Brousouf, qui est une monnaie libre, etc. Il faut que tu connaisses des membres de cette monnaie qui te disent bon, très bien, oui, pour rentrer, il faut que tu sois ta clé, tu vas avoir une clé qui sera ta clé de compte, doit être signée par exemple 10 membres existants. De la monnaie, et voilà, c'est pas un parrainage, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Oui, mais c'est pas une compétition au sens où c'est une reconnaissance, oui, mais c'est une reconnaissance, mais tu peux te faire reconnaître par n'importe quel groupe de 10 membres, en quelque sorte, ou en tout cas des groupes de 10 membres divers, qui dépendent du code, c'est pas n'importe lesquels non plus. Enfin, le code peut être déterminé pour dire que c'est des personnes qui se connaissent pas forcément, etc. Des choses un peu pour assurer justement un taux de confiance maximale. Et tu devras, une fois que tu as tes 10 signatures, tu es dedans. Mais après, par exemple, tous les ans, tu dois avoir des nouvelles signatures qui confirment que c'est bon. En fait, t'es pas reconnu une fois, puis c'est terminé. Il faut continuer, parce qu'à un moment donné aussi, tu vas mourir, ou demain, tu peux ne plus vouloir utiliser la monnaie aussi. Tu peux rentrer librement, tu peux aussi sortir. Ça dépend de ton protocole. Là, ton protocole que tu cites, c'est il faudra 10 membres. Oui, bien sûr, exactement. Oui, tout à fait. Oui, mais ce protocole-là, il n'est pas figé, tout à fait. Oui, tout à fait. Exactement, oui, c'est juste. La masse monétaire, plus la masse monétaire va augmenter. Elle n'augmente pas. Ah oui, non, mais elle n'augmente pas. La monnaie, elle est relative. Plus il y aura de membres, plus il y aura de membres, plus il y aura d'hommes dans ma monnaie. Plus forcément, la part économique qu'ils auront par rapport à l'autre monnaie sera grande. Mais ça, c'est logique. Hein. Parce qu'il n'y a que les hommes qui font l'économie. Moi, je ne vois rien d'autre. Hein. Oui, concrètement, quand vous rebondissez un peu sur l'idée de créer une monnaie locale avec ce système-là. Oui. Ben, là, en fait, comment vous voyez. Parce qu'avec les logiciels, je vois comment ça peut marcher. Oui. C'est des chiffres. Oui. Mais quand on imprime des billets. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Il y aura des plus en plus de billets. C'est une excellente question. Le mieux, c'est ça. La corbeille. Tu regardes la vidéo, la corbeille. Qui l'a vu cette vidéo? Oui. La plénière est dans 10 minutes. Donc, le mieux.
pour répondre à ta question, si tu veux vraiment avoir les détails pour la mettre en pratique au sein d'un jeu, mais donc par extension au sein d'une monnaie, avec la corbeille, on explique même comment on peut faire ça avec des billets limités. Ah ouais, faut pas qu'il y ait de suite. Regardez le détail.